Good morning, everyone. I hope you hear me well. Thank you for joining for our meeting today with the Mediterranean Cooperation Alliance. So my name is Elodie Nunes. I work as Executive Secretary of the Inter-Mediterranean Commission of the CPMR, and I will be hosting the first session and also introducing the event today. So first of all, small technical details. As Gemma announced, it would be good if you're not speaking to turn off your camera and your microphone. And if you are planned as a speaker in a session, well, turn on your camera and your microphone only when it's your turn to speak. If you wish to ask any questions, you have access to the chat. So you can write a question in the chat, but we will try avoiding asking the question. Evitar hacer las preguntas con el micrófono para no cortar o interrumpir a nadie que hable. Els hi haig de comentar que tenen traducció en anglès. En anglès, francès, espanyol, català. Et pour y accéder, vous... All right. So again, welcome to this event. If you have any questions, also technical questions, you can write them in the chat. And well, without further ado, we will kick off the discussion. As you've understood, so we've taken the opportunity of the celebrations of the 25th anniversary of the Barcelona process to also bring our small contribution to the table as a Mediterranean Cooperation Alliance, which, to remind you, is a network of networks. This Mediterranean Cooperation Alliance is composed itself of networks, composed themselves of regional and local authorities. We have Med Cities, Arco Latino, we have two Euroregions, Pyrenees-Mediterranee Euroregion and Adriatic Ionian Euroregion, and finally, the Inter-Mediterranean Commission of CPMR. So we have allied ourselves basically to promote the concept of multi-level governance in the Mediterranean. And this is what we would like to bring to the table today to understand how multi-level governance can be articulated throughout the basin to reinforce cooperation dynamics. And we have, of course, thoughts about our partners of the Union for the Mediterranean, but also the RLM, with whom, of course, we work very closely, as well as the territorial cooperation programs of the basin, namely Interreg Mediterranean, but also ENI CBC-MED, that we will speak in a second time in the event. So without waiting too much now, I would like to introduce the first session. I am specifying right now that we have had a change in the order of the session. So we will start with the UFM and RLM, but then we will have the Adriatic Ionian Euroregion and then Med City speaking. Then we will have the Inter-Mediterranean Commission of CPMR and lastly, the Pyrenees-Mediterranee Euroregion. So I hope it's fine for everyone. And without further ado, I let the floor to Alessandra Sensi, who is head of sector for water, environment, and blue economy at the Union for the Mediterranean. Alessandra, will thank you for joining us. You will introduce a bit the context of the 25th anniversary of the Barcelona process and explain a bit how multi-level governance dynamics have been serving the works of the Union for the Mediterranean. So the floor is yours. Thank you. Many thanks, Elodie, and many thanks, everybody, for the invitation here today, really on behalf of Secretary General. De parte del embajador Nasser Kamel y Isidro González, es un gran placer para mí estar aquí y contribuir a esta reunión tan importante. It's even more important. Creo que algún ponente
¿Podría apagar el micrófono, por favor? ¿No hay traducción? Bueno, the 25th anniversary. So it's very good actually to have these two meetings running at the same time. The 25th anniversary is important to celebrate because indeed the Mediterranean region has been renewed, of course, throughout history for this vibrant, let's say, coexistence of many different, you know, people, society, culture, religion, and so on. And let's not forget, indeed, that in 1995, there was this very important step forward by all, let's say, the Euro-Mediterranean countries, which in very good faith and very good understanding actually wanted and saw actually a very clear interest in having closer ties, in building, let's say, a closer relation. We went a long way since then, and in a certain way, we originate from all this process. And over time, the modalities of work, the networks, the cooperation has changed and developed a lot. Modalities have, in a certain way, remained along the lines that they were originally set, like political and security, economic and financial, cultural, human, but they are nowadays all, let's say, set within the framework of a sustainable development of the region. And indeed within the SDGs. So our, let's say, very clear mandate is indeed to build on the commonalities of the Euro-Mediterranean countries and build positive agendas, the agendas on which all together we can work and let's say advance. Of course, nobody would have thought that we would celebrate the 25th anniversary in such a difficult actually situation. In a moment of crisis, actually for the region, but also for the entire world, which of course we have also to rethink in terms of, let's say, opportunity for building back together, but building all together. This is also the important element. Let's say specifically for the Mediterranean, of course, we are going through a very deep environmental and climate crisis. It goes without saying that we have also a very deep economic crisis, not to talk about employment and not just, let's say, for youth. But as we were, let's say, aware, and we became aware over time of this important, let's say, potential that we have, let's say, in terms of regional integration, we still think it's there that we have, let's say, to tap. Now, I mentioned the COVID, and let me now link more specifically on what, on the meeting itself, on the MedCop Alliance. The COVID has inevitably obliged us to be more local and basically reorientate ourselves towards more territorial. Even the situation, of course, has revived all the debate about the type, let's say, of economic model that we have shaped over time. How, let's say, to relocate that into a greener, circular, carbon neutral vision. And of course, these also together with a concept of proximization and the need actually to integrate more and more sub-state actors with, of course, the valuable proximity, as I mentioned, the knowledge of territories and their capacity actually to be very operational. So this is actually the way that we also as UFM have been moving forward. I mentioned before that our modalities of work and our network has expanded. And definitely, let's say, sub-state actors and multi-level governance has entered more and more even within, let's say, our modalities. Let's say, as you shared some, let's say, guiding questions in your agenda, so let me try to be a bit more operational and not just radical. Most of you know how we are, let's say, structured in terms of UFM. We have the political ministerial meeting, we have working groups, we have the project level of activities.
So I'd like actually maybe to point to some of these examples that have shown how in a certain way there was a progressive interaction of these relations over times. First of all, nowadays in our working group, which are actually the place where the policy with the strategic and the operational, let's say, approach or discuss and shape the UFM working groups, almost all of them, I cannot think of a sector without that, they all involve representation of subset actors, sometimes let's say on a rotating basis, and there is a direct input to the work that we carry out even at policy level. Let me just recall a very recent example. We just had an environment task force a few days ago, and we are shaping the Agenda 2030 for a greener Met, which indeed was shaped over years together with a very broad, let's say, and wide range of the stakeholders, including, of course, local actors and a representative of the territories. A closer dialogue, and I would even dare to say an alignment, has been progressively shaped indeed with key programs as the InteractMed and the CBC and the CTEP, they have, let's say, a slot, so I will leave it to them to make it, let's say, clear how we have progressively aligned ourselves. But indeed, this is a way to having, let's say, territories more and more integrated within, let's say, our framework. Not to talk of the regular constant participation also to dialogue with ARLAM and the meetings that they have been holding over, you know, even the past months on crucial, let's say, issues for the Mediterranean, going from, let's say, blue economy, to employment, to climate change, to agriculture. I'd like also to mention that even at a very, let's say, practical level on preparation of reports, policy reports, for example, we have now a very important study that is running on sustainable tourism and post-COVID, let's say, recovery. And even there, the work about, let's say, solutions is mainly run indeed with territorial actors. And just to conclude with another interesting example, it's the one of the just launched actually UFM grant scheme for employment. Again, they're directed to nonprofit and to local, let's say, realities. And this, just not to mention even all the level at project or project, let's say, activities that are run more and more by, let's say, a broad categories of actors, and where actually local and sub-state actors have shown to be a driving force. Of course, I could go on for much longer. I think, however, that it's time to give the floor to the other speakers. Let me, however, conclude the Mediterranean, as I always say, and I would like actually to repeat it. It's not just a pioneer, but a model actually of cooperation for others. So we should even build on it more, on all the positive energies that we have around. It's, of course, a very complex region, but there are all, let's say, indicators of success in, let's say, creating this convergence of indeed energies, of course, each one according to its own resource, mandate, and let's say, possibility, but working, let's say, all together on this positive agenda. So with this, Elodie, I give you back the floor, and thank you, everybody, really, for listening. I, of course, remain available for any other comments. Thank you so much, Alessandra, for your contribution. It's also very encouraging for us to see that, of course, there are stronger ties being elaborated and drawn with the sub-state levels of governance. So we will, of course, be looking forward to keeping them and making them stronger in the future through the various initiatives and agendas that you described. So
thanks for that. I will, without waiting more, go to the other speakers. I will also switch to French. Donc nous avons maintenant Madame Mina Bourdout avec nous. Bonjour Madame. Alors Madame Bourdout est la coprésidente de la Commission pour le développement territorial durable de l'Arlem. Elle est également la mairesse de Lac Fifat et vice-présidente de l'Association marocaine des présidents et présidentes des conseils communaux. Donc bienvenue Madame. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, donc vous, on attend de vous que vous soyez en tant que représentante pour l'Arlem. Et eh bien, je vous adresse les questions finalement qu'il y avait en introduction de cet événement. Donc, comment est-ce que, dans le cadre de votre expérience, la gouvernance multiniveau a pu renforcer les expériences de coopération dans la région méditerranéenne ? Donc, dans le cadre également des travaux pour l'Arlem, hein, qui est naturellement composé de régions et aussi de municipalités ou de villes. Et si vous pouviez eh bien, nous exposer votre réflexion par rapport aux instruments de gouvernance que vous pensez efficaces pour renforcer la coopération au niveau méditerranéen et voilà, exprimer votre vision du travail que nous pourrions élaborer en collaboration entre la coopération, entre l'Alliance de coopération méditerranéenne, la MEDCOP Alliance, et l'Arlem. En sachant que nous avons aussi notre petite idée, donc ça nous permettra de rebondir par la suite sur ce que vous dites. Merci beaucoup et la parole est à vous. Bonjour, salam alaikum. Tout d'abord, c'est la première fois que je fais un discours en français. D'habitude, c'est en arabe, mais pour la première fois, d'accord, vous me pardonnez pour un peu pour mon langage. Bon, au début, je vais parler un peu de l'Arlem et après, on parlera de ce qu'on va collaborer entre nous. Mais, mesdames et messieurs, c'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette webinaire organisé par l'Alliance de coopération méditerranéenne pour parler d'une stratégie régionale renouvelée pour la Méditerranée 25. L'objectif qui nous réunit aujourd'hui est celui d'apporter une contribution concrète depuis le niveau de gouvernance intermédiaire en Méditerranée aux discussions tenues dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du processus de Barcelone. Brièvement, je vais tracer comment l'Arlem, l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, dont je suis la coprésidente de la Commission pour le développement territorial durable, apporte sa pierre à cet édifice. D'ailleurs, cela me fait plaisir de voir que le président Moussi Messi et le président Dobros Lavic, qui sont aussi membres de l'Arlem, participent aussi dans cette séance. Je salue aussi... En esta sesión, quisiera también saludar a mi compatriota, à l'alcalde de Tétouan, Mohamed Idama. Ils ne sont pas familiers. L'Assemblée régionale et locale, euro-méditerranéenne Arlem, est... The regional... and local Euro-Mediterranean Assembly, Arlem, is an assembly represented. Alcaldes, representantes locales del Mediterráneo y de los socios del Mediterráneo. Se creó en 2010 y Arlem representa esta unión territorial dentro de la Unión por el Mediterráneo y permite en las tres riberas del Mediterráneo asegurar una representación política de las autoridades locales y de mantener un diálogo político común a fin de reforzar la cooperación interregional. Estamos compuestos de 80 miembros y Arlem es una plataforma de intercambio entre todos estos miembros. Desde hace 10 años ya de nuestra existencia hemos sido capaces de destinar nuestros trabajos a la integración territorial del Mediterráneo, al papel de las autoridades locales y regionales en todo ello. Desde el principio, desde su nacimiento, Arlem ha querido dar a la cooperación euromediterránea una dimensión territorial. Ya llevamos 10 años demostrando el papel esencial de las autoridades locales y regionales
en la arquitectura de la Unión por el Mediterráneo. Y quisiera agradecer en particular al secretario de la Unión por el Mediterráneo, UPM, y a la Comisión Europea por ese ánimo inclusivo que tienen y que siempre han manifestado de cara a nuestra Asamblea Conjunta. Todo eso ha permitido que nuestros miembros hagan valer su voz como autoridades locales y regionales en el marco de las actividades desarrolladas por la UPM. Por ejemplo, durante las reuniones ministeriales a las cuales hemos acudido y se nos ha invitado. En este sentido, el copresidente de Arlem y presidente de la región de Macedonia Central en Grecia, Apóstolos Zikosta, y el alcalde de Ramallah Mozahedin se dirigen a los ministros en esta sesión del viernes para conmemorar el 25 aniversario del proceso de Barcelona. De hecho, Arlem ha destinado 3 informes desde su nacimiento a la integración territorial en el Mediterráneo. En 2014, con el informe acerca de la política de cohesión para el Mediterráneo, en 2017 con el informe sobre la cooperación transfronteriza en la región mediterránea y a principios de este año con el informe acerca de la integración euromediterránea y acerca del papel de las autoridades locales y regionales. Evidentemente que queda trabajo por hacer, porque la integración en la región euromediterránea sigue constituyendo un enorme desafío, que viene a añadirse a otros desafíos, como por ejemplo gestionar las consecuencias del cambio climático, también establecer políticas para la integración social de los migrantes, la demografía y la creación de empleo, así como también la descentralización y la digitalización. Todo ello son desafíos que requieren el desarrollo de políticas también para las mujeres y para el desarrollo sostenible del medio urbano de nuestras ciudades. Social et économique terrifiante de la pandémie de la COVID-19 dans nos territoires. Nous devons faire face ensemble à ces défis, car c'est seulement en travaillant en partenariat qu'on l'on pourra faire entendre notre voix au sein des instances internationales. Ceci passe par l'ancrage local des politiques du développement durable des Nations Unies où nous jouons un rôle clé. Je suis convaincue que l'Arlem, le Comité européen des régions et les associations qui travaillent sur la scène internationale peuvent tirer profit de leur complémentarité et trouver la place qui est la nôtre dans la gouvernance internationale afin de répondre aux défis globaux auxquels nous sommes tous confrontés. Dans ce contexte, nous devrons encourager le développement de mesures politiques et sociales pour prévenir les crises et développer une résilience sur le long terme. Il faudra aussi contribuer à la réduction des inégalités par des mesures économiques et d'investissement. C'est dans ce contexte que les villes et régions représentent un instrument incontournable en Europe comme en Afrique pour atteindre ces objectifs. Comme nous le prouve la crise du COVID actuellement. Car je vous le rappelle, l'objectif de l'Arlem était justement d'aller au-delà du dialogue politique en instituant un réel partenariat entre les maires et responsables régionaux centré sur les besoins des citoyens identifiés par les élus de terrain et ceci par le partage de bonnes pratiques et par la création de réseaux de qualité basés sur le savoir-faire dans les domaines des services d'intérêt général propres à nos communautés ou spécifiques à notre territoire. Je salue votre contribution majeure, les associations territoriales et membres de l'Arlem, l'approche
multilatérale et multiniveau. Et l'approche que nous souhaitons développer dans la gestion des défis qui affectent nos communautés, approche qui, pour être crédible, doit être accompagnée d'un soutien financier, notamment par l'instrument de voisinage et de coopération au développement et de la coopération internationale de l'Union européenne, et ce, afin que les collectivités prêtes à coopérer entre elles puissent le faire de façon structurée et au-delà des circonstances parfois contraignantes. Nous recommandons cette méthode et cette voie à la nouvelle gouvernance européenne et à l'Union pour la Méditerranée, et espérons que la prochaine communication de la Commission européenne et le haut représentant sera pour un partenariat renouvelé avec les pays de notre voisinage méridional. Et je vous remercie et je vous souhaite un riche débat de me réjouir déjà de lire les conclusions que je diffuserai aussi parmi mes collègues de l'Arlem, qui célébrera la prochaine session plénière le 22 février 2021. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Bortoud, pour votre contribution. Naturellement, je ne peux que valider hein, tout ce que vous avez dit et soutenir également les principes que vous avez énoncés. Je dois dire qu'on se positionne aussi dans la même voie, hein, surtout pour l'inclusion des régions et des autorités locales dans l'élaboration des plans de relance pour la COVID, mais aussi eh bien pour ce qui est du développement et de la mise en œuvre du partenariat de voisinage. Donc naturellement, ce sont des principes qu'on soutient amplement et qu'on espère eh bien, pouvoir soutenir davantage via une action plus pratique de notre côté par une coopération avec les territoires et notamment via les projets dans lesquels nous avons l'habitude de participer. Donc, nous vous ferons évidemment passer les conclusions des discussions et je vous remercie également pour votre proposition de les diffuser à vos collègues. C'est bienvenu. I'm going back to English now. I will let the floor to Mr. Nikola Dobroslavic, who is the president of the Adriatica Union Euroregion, and he is also the president of the Dubrovnik Neretva County. So, Mr. Dobroslavic, the floor is yours. Please. Thank you, Elodie. Hello from Dubrovnik, Croatia. Dear colleagues, dear speakers, participants, I would like to thank all the partners of the Med Cooperation Alliance and the government of Catalonia for organizing this online event focused on the governance of the Mediterranean region. The Adriatic Ionian Euroregion, a network which represents 33 regional and local authorities from the Adriatic and Ionian area, joined the Mediterranean Cooperation Alliance, launched in Barcelona in 2019 with great enthusiasm. The idea of this initiative was to pull together different organizations towards creating a network of networks capable of promoting a new joint strategy for a more sustainable and integrated Mediterranean basin. Today, faced with the ongoing and evolving health crisis generated by the COVID-19 pandemic, the Med Cooperation Alliance is an example of solidarity in times that need and call for a greater union than ever. With you, we share a strong commitment to the implementation of the Agenda 2030 for development, as well as of the European Green Deal. And I believe that our alliance is a positive and
inspiring demonstration that cooperation across countries must be based on a multi-level governance approach. At the same time, I believe that all the actors involved in policy design, planning, and implementation, either supranational, national, or subnational, should embrace the unprecedented opportunity to align their priorities. In recent years, the Adriatic-Ionian Euroregion has implemented various cooperation activities in collaboration with other EU and non-EU partners at the heart of both the Adriatic as well as in the Mediterranean regions. We have been involved as projects and associated partner in different projects of the Interreg MED program, among which the MED Sustainable Tourism Community. The project actively contributed to the 2030 agenda by facilitating knowledge sharing and the capitalization of results of different modular and strategic projects dealing with sustainable tourism practices, with a view to make tourism more sustainable, closer to the population, and more sensitive to environmental issues. This experience showed us that in order to effectively support the achievement of the Sustainable Development Goals in the MED area, we need to intensify the cooperation among sub-state administration. At the same time, let me stress the importance of promoting a greater involvement of regional and local authorities in the decision-making processes, as well as in the definition and management of EU programs such as Interreg MED. The Euroregion also took part in initiatives promoted under other macro-regional strategies such as EUSER. Through the iNUREC initiative, we established the first network of all key regional and local stakeholders of the Adriatic-Ionian region with the goal of supporting the implementation and capitalizing the EUSER and at territorial level based on a bottom-up approach. I believe that creating synergies with such relevant and successful initiatives, such as EUSER and WestMed, could reinvigorate our commitment and help us find new ideas and tools. Last but not least, seeking a dialogue with European institutions that support multi-level governance approaches, such as the Committee of the Regions, of which I am a permanent member, could help us achieve our goals. So it will be important to align and integrate all the relevant strategies and initiatives capable of reinforcing multi-level governance and cooperation. The hope is that this process will bring to a unique, integrated, long-term strategy for the Mediterranean, or at least a solid coordination mechanism. Thank you for your attention. Thank you so much, Mr. Dobroslavich. I think it was very complete, and I'm glad that you mentioned the strategies in the Mediterranean as well as the cooperation programs. I think we'll go back to it in the second session. Sorry. Of course, we have developed already and have spoken also with the programs in the Mediterranean from our side as Mediterranean Cooperation Alliance. So we are very much hoping that we'll have the opportunity to
to deepen our impact in the future and more specifically in the coming period. Je passe maintenant en français. Donc, nous avons eu un autre changement dans l'ordre du jour. Nous avons maintenant Monsieur Mohamed Ida Omar, qui est président de Medcité et maire de Tétouan, qui va prendre la parole. Monsieur Ida Omar, la parole est à vous, s'il vous plaît. Merci, madame. Bonjour, messieurs les maires. Bonjour, messieurs, dames, les organisateurs. Bonjour tout le monde. Au nom de Medcité, réseau des villes méditerranéennes, je suis honoré aujourd'hui de contribuer à ce forum direct et à distance organisé à propos du processus de Barcelone, qui est maintenant un processus qui vit une activité permanente avec des rendez-vous comme celui-ci depuis un quart de siècle. Il s'agit d'une plateforme, effectivement, dont nous suivons les activités qui visent à cerner les modalités de partenariat politique, de partenariat culturel, partenariat scientifique et social entre les villes de la Méditerranée, mais aussi entre les villes de la Méditerranée et l'Europe. Je vais de vous dire que Rome, dans l'ITCOP Alliance, ce forum nous permet d'avoir un espace de débat où nous pouvons aussi bien capitaliser tout ce qui a été débattu auparavant dans cet espace, mais l'essentiel, c'est de réfléchir ensemble sur ce que nous avons été accompli, mais surtout sur les défis qui nous attendent dans un avenir proche, mais un avenir clair, un avenir effectivement qui est perturbé par des nouveautés inattendues, comme ce que nous vivons ces derniers mois, le COVID-19. C'est en fait des nouveautés qui imposent que nous devons réfléchir les outils de nos collaborations, réfléchir aussi des manières dont nous gérons nos contacts aussi bien à l'intérieur des bassins et au pourtour de la Méditerranée, mais aussi avec les riverains de la Méditerranée. Aujourd'hui, permettez-moi de dire, il n'est plus audacieux de travailler tout simplement sur les problèmes locaux, sur les défis locaux des uns et des autres de nos villes, de nos pays, mais aussi de réfléchir à nos riverains, de réfléchir à notre voisinage. Parce que voilà, vous voyez, avec cette problématique de COVID, même s'il y a une ville
ou une campagne qui n'est pas atteinte, qui est saine, il doit être enclavé, il doit tenir en compte ce qui se passe dans son entourage. Donc là, permettez-moi de vous dire que ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses importantes, mais nous étions effectivement dans une démarche, effectivement, qui est maintenant traversée par des défis actuels que nous devons tenir en compte. Les villes de la Méditerranée, méditerranéen, effectivement, et je vois dans la liste des participants un bon nombre des maires des villes de la Méditerranée. Nous étions un peu à travers ce processus de Barcelone qui a une technique et une méthode de travail en quelque sorte que nous saluons. Nous devons être appelés à réfléchir à une Méditerranée future, à une Méditerranée post-Covid-19. Et merci pour tout le monde. Et effectivement, nous allons commencer dès maintenant, dès ce forum, dès cette plateforme du processus de Barcelone, à réfléchir à cette Méditerranée de demain, qui est la Méditerranée de post-Covid-19. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur Ida Omar, pour ces réflexions. Évidemment, je pense que c'est dans l'esprit de tous, hein, la façon dont on peut collaborer pour eh bien, avoir une relance qui puisse nous servir de la manière qu'il soit la plus appropriée pour la période post-Covid-19. Et donc, évidemment, nous entendons votre message et nous serons heureux de pouvoir travailler dans ce sens-là à l'avenir, naturellement. Je repasse à l'anglais. I'm switching back to English. Now we will have the president of Sicily Region, Mr. Nello Musumeci, who will speak on behalf of the Inter-Mediterranean Commission of CPMR, since he is also holding our presidency. So, Mr. Musumeci, the floor is yours. Thank you. Grazie, grazie Madame Lodi, signora segretaria esecutiva. Buongiorno ai cari partner dell'Alleanza per la Cooperazione Mediterranea e della Catalogna, i colleghi dell'Unione per il Mediterraneo, cari partecipanti tutti. Mi scuso per il mio intervento in italiano, ma non è prevista la traduzione e spero di potermi fare comprendere. Ne usciranno avvantaggiati gli spagnoli per la affinità con la mia lingua. Mi scuso per gli altri. Celebriamo i 25 anni del processo di Barcellona e quindi pensiamo alla governance multilivello del Mediterraneo. Certo, è anche un'occasione per fare il consuntivo, le cose che sono state fatte, quelle che attendono di essere fatte e quindi anche l'occasione per un impegno e per rilanciare lo spirito di cooperazione. Come sanno i signori in rete, io soltanto da qualche settimana sono presidente della Commissione Intermediterranea nella qualità di presidente della regione Sicilia. In questa mia esperienza ho potuto comprendere quanto validi siano gli assi principali sui quali bisognerà continuare a lavorare.
rafforzare l'economia blu sostenibile e la coesione nell'area del Mediterraneo, lavorare per rendere concreta la transizione verso economie sostenibili attraverso una cooperazione basata su progetti nel bacino, rafforzando le alleanze e il coinvolgimento in azioni concrete e in solide partnership. E infine mobilitare i giovani del Mediterraneo che rappresentano il fattore, la componente chiave per gestire il nostro presente e per costruire il nostro futuro. La mia regione, la Sicilia, che è al centro del Mediterraneo e che nei millenni è stata crocevia, è luogo di dialogo di diverse culture, diverse civiltà, diverse religioni, ha attivato una serie di interventi in sede di cooperazione internazionale. Penso per esempio al gasdotto con Malta, al quale siamo particolarmente attenti per consentire la realizzazione dell'infrastruttura, ma anche la tutela del contesto ambientale. Abbiamo istituito il COPEM, che è uno strumento di cooperazione fra diverse decine di paesi del Mediterraneo legati da un unico obiettivo, quello di salvaguardare la pace in questo angolo di terra attraverso il dialogo e il confronto. Siamo convinti che serva un progetto contro la desertificazione, che è un processo inesorabile che ormai interessa diversi paesi del Mediterraneo, un processo sempre più veloce. E accanto a questo avvertiamo l'esigenza di una cooperazione per una sana politica delle acque, una risorsa non più inesauribile. Ecco, come salvaguardare la nostra agricoltura e i diritti delle nostre comunità attraverso una nuova gestione della politica delle acque. Crediamo noi in Sicilia che questi siano temi importanti sui quali le regioni debbono avere un ruolo da protagonista, non soltanto nel dialogo con gli stati membri, ma anche fra i territori del Mediterraneo, lavorando per obiettivi comuni, con l'utilizzo di tutti i fondi che l'Unione Europea mette a disposizione. E vorrei davvero sperare che le procedure dell'Unione Europea per l'utilizzo dei fondi comunitari possano essere sempre più semplici, sempre meno complicate, per favorire le comunità locali, i comuni, le province, le regioni stesse, al massimo utilizzo delle risorse messe a disposizione. Dobbiamo ampliare le nostre prospettive come reti, ma anche sostenere la cooperazione di governance multilivello su una scala molto più ampia. Ecco perché riteniamo positivi gli esempi dell'Unione per il Mediterraneo, con la quale, come Commissione Intermediterranea della CRPM, abbiamo avuto un accordo specifico che ha avuto anche un grande successo per collaborare sull'agenda dell'economia blu, per esempio, e per mettere in atto ogni iniziativa utile attraverso l'alleanza per la cooperazione mediterranea. La sfida principale
è quella di garantire che i fondi provenienti dai vari programmi europei possano rispondere alle effettive esigenze dei nostri territori. Evitare la polverizzazione dei fondi, non 100 obiettivi, ma 10 obiettivi importanti da poter raggiungere e sui quali focalizzare le risorse disponibili. Ecco perché, concludo, l'Alleanza, attraverso la rete dei suoi partner e la loro rispettiva ampia esperienza nella governance multilivello, diventa lo strumento chiave che dovrebbe essere sfruttato al massimo al fine di poter consolidare la coesione a livello di bacino del Mediterraneo. È per questo motivo che voglio invitare l'Unione per il Mediterraneo, ma anche l'Arlem del Comitato delle Regioni Europee e le varie iniziative e i programmi che ho appena accennato, a prendere atto di questo nostro invito formale, che diventa anche una opportunità per confrontarci e per trovare assieme le migliori soluzioni. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Grazie mille, Presidente. Molto interessante. I will summarize very shortly the main points of the intervention. So I got from your intervention that, of course, the region of Sicily has been working also on themes linked to the cohesion of the basin, sustainability projects, and youth through our work as Inter-Mediterranean Commission. But also yourself as a region, you have different kinds of cooperation with Malta, but also with COPEM, which is actually a supporter of the Alliance too, formally speaking. I understand also, and I got from your intervention, that there is a very very big need for us to strengthen as an alliance and as regions and local authorities, the dialogue with member states and with states in general in the Mediterranean on the one hand, but also with Mediterranean territories in their wholeness. There is a strong point on funds and the use of financial resources, whether they come from the European Union or from any other instances in the Mediterranean, to try to have more simplification of funds so that the territories can have an easier use of them on the one hand, but also as a way to respond, of course, to local challenges, and for which the Mediterranean Cooperation Alliance, of course, can be a very good entry door, so to say, to try to facilitate the landing of funds on the territories and vice versa, to have some of the local and territorial challenges brought to light towards the programs on the one hand, but also the European Union and Mediterranean institutions on the other hand. And lastly, of course, I underline, and thank you for this, your saying of the Mediterranean cooperation as an instrument to consolidate cohesion in the basin, and of course the invitation that we extend to the RLM, the Union for the Mediterranean, and the cooperation programs of the basin to try to deepen our collaboration together. So I hope I didn't leave out anything, more or less. Thank you. Je repasse en français maintenant avec notre dernier intervenant, qui est Monsieur Guy Esclopé, qui représente aujourd'hui la région Occitanie en tant que conseiller régional et qui assure également donc la présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Donc Monsieur Esclopé, bienvenue dans cette session. Vous avez aussi l'honneur finalement d'être le dernier intervenant, donc si vous
si vous souhaitez eh bien, avoir quelques mots également pour conclure ou en tout cas rebondir sur les interventions des autres personnes, vous êtes le bienvenu. Je vous laisse la parole maintenant. Merci. Merci Élodie. J'espère que vous m'entendez. Oui, parfait. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et je salue tous les intervenants. En conclusion, je leur adresserai deux mots. Je voulais particulièrement excuser la présidente Carole Delga qui n'a pas pu être là, présidente de l'Eurorégion. Je voudrais aussi porter des amitiés particulières puisqu'ils ont beaucoup organisé tout cela à nos amis de la Generalitat de Catalogne. Bon dia à toutes et à tous. Et enfin, remercier tous les intervenants de cette MEDCOP qui sont intervenus autour de cette table. Je vais essayer de me situer sur deux niveaux puisque je représente aujourd'hui effectivement la présidence de l'Eurorégion, mais aussi la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée qui a elle aussi travaillé sur les sujets qui nous intéressent tous aujourd'hui. Concernant l'Eurorégion, je voudrais dire et me féliciter du travail qui a été fait. On a eu des gens qui ont géré ces trois régions qui étaient des visionnaires puisque dès 2004, ils s'étaient regroupés et étaient ensemble pour débattre de sujets qui sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Ils en ont fait à partir de 2009 un instrument juridique qui est le GEC, qui est reconnu par l'Europe. Et cet instrument juridique a permis d'avancer sur des sujets importants comme le développement de l'écosystème euro-régional avec le volet innovation, comme la contribution qu'ils ont amenée et que nous avons amenée à l'euro-région à un développement durable du territoire, et comme l'approfondissement de l'identité euro-régionale. Je crois que c'est des sujets importants. Ils ont été, au fur et à mesure, mis à jour, ils ont été actualisés, mais globalement, c'était des pistes qui avaient été retenues lors de la mise en place de cette euro-région, et cela montre toute l'importance qu'a cette union de régions autour de la Méditerranée pour arriver à notre sujet aujourd'hui très prégnant. Je voudrais dire, par exemple, que c'est juste par rapport à la crise aujourd'hui que nous avons été capables, en les trois régions, de monter un fonds de soutien de crise en moins de trois mois pour amener un montant de 700 000 euros qui ont été libérés en moins de trois mois et mis à disposition. Je voudrais aussi parler de la capacité à démontrer l'exemple de partenariat gagnant autour des ports de la Méditerranée qui sont des sujets importants pour nous, ou encore sur les questions de la ressource en eau, ça a déjà été cité par déjà un de nos partenaires précédemment, ainsi que dans le secteur touristique avec le projet qui a été lancé, qui s'appelle WhatsApp Véreuse, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est des sujets importants. Bon, voilà un petit peu ce travail qui a été fait au sein de l'Eurorégion. Je crois que cette échelle Eurorégion, qui regroupe quand même une très grosse région, puisqu'il y a 15 millions d'habitants autour de tout cela, c'est une bonne taille aujourd'hui pour peser sur nos partenaires et sur le partenaire essentiel qu'est l'Europe, qu'il faut convaincre à tout prix de nous aider encore plus sur ce bassin méditerranéen, que ce soit aussi bien sur la partie sud du bassin que sur la partie nord. En ce qui concerne la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, je voudrais dire aussi que nous avons travaillé. Et la présidente Carole Delga a souhaité très rapidement mettre en place un modèle de développement différent. Ce Covid nous montre et nous dit qu'il sera plus possible aujourd'hui de revenir en arrière et de fonctionner comme avant. C'est une évidence. Aussi, nous avions déjà travaillé, sans savoir que cette crise allait nous impacter, nous avions travaillé déjà sur un projet que nous avons appelé Occitanie 2040. Ce projet Occitanie 2040 était dérivé de tout un travail de fond sur l'aménagement du territoire. Et dans ce projet Occitanie 2040, nous ne l'avons pas fait tout seul. Je crois que c'est quelque chose de très important. Nous avons associé dans ce projet tous les citoyens. Plus de 20 000 personnes ont répondu à notre sollicitation pour élaborer ce projet. Nous ne l'avons pas fait au coin d'une table entre spécialistes. Nous l'avons fait avec les citoyens d'Occitanie qui ont accepté de se mettre autour d'une table et de travailler. Donc cet exemple de travail et de consultation citoyenne a été pour nous un très fort moment de démocratie. Et à partir de là, nous avons travaillé sur ce qui nous paraît aujourd'hui incontournable. Donc nous avons mis en place, et vous voyez-y une analogie, le Green New Deal de la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Alors les Occitans, Green New Deal, ça choque un peu. Pour les Anglais, ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi on a voulu garder ça? Parce que justement, il y a une analogie avec le Green New Deal de l'Europe. Il y a aussi une analogie avec, et on a travaillé là-dessus, mais aussi sur les objectifs de 2030 que nous souhaitons mettre en place. Donc voilà pourquoi on a gardé, nous les Occitans et les Catalans, ce nom de Green New Deal. C'est juste une petite anecdote, mais c'est important de le dire. Alors, ce Green New Deal, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur 4 axes de travail, 10 plans d'action, et pour cela, pour mettre en place tout cela, nous avons détecté 5 leviers sur lesquels on peut travailler. Très rapidement, sur les 4 axes, nous avons apporté un modèle de société qui soit protecteur, solidaire et un modèle épanouissant. C'est là-dedans que nous avons casé 3 plans dans ce premier axe. Le plan alimentation, qui nous paraît très important pour nous. Le plan santé et bien-être. Et enfin, le plan Occitanie, terre de partage et terre de rencontre. Parce que pour nous, c'est important que l'on puisse avoir, à minima, ces 3 axes pris en compte, ces 3 plans, pardon, dans cet axe qui est l'axe sur une société protectrice, solidaire et où on puisse s'épanouir. Ensuite, nous avons travaillé sur le deuxième axe, qui est de favoriser un modèle économique plus vertueux. Ce modèle économique plus vertueux, il s'appuie sur quoi? Sur un plan, sur une économie résiliente, sociale et solidaire. Cette crise donc, qui a été accentuée nécessite une transformation de l'économie qui aujourd'hui est trop fragile du fait des dépendances industrielles et technologiques. On a aussi mis en place un plan sur la recherche et l'innovation qui représentent pour nous, cette innovation représente pour nous l'économie de demain. On travaille par exemple sur le plan hydrogène, sur la restauration des fonds marins, sur le laboratoire régional des transitions. Enfin, sur le troisième plan qui est attaché à ce thème du modèle économique et vertueux, c'est le plan qui nous concerne ici, en particulier autour de la Méditerranée, qui est le plan du tourisme durable et responsable. On accompagnera la rénovation énergétique des villes du littoral. Pour nous, c'est important. On avait déjà commencé à travailler sur un plan qui s'appelait le plan Littoral 21, mais nous continuerons à travailler sur la rénovation de toutes les copropriétés sur le littoral. Nous ferons aussi, nous souhaitons, à travers de ce plan de tourisme, avoir des actions sur une destination à haute qualité environnementale. C'est un sujet, et je parle sous le contrôle du président de la CIM, qui a déjà été abordé dans la CIM, puisque c'est quelque chose de très important. Et donc, cette qualité environnementale dans le tourisme est très, très, très importante. Oui au tourisme, pas forcément au tourisme de masse, au tourisme de qualité et au tourisme qui respecte l'environnement. Enfin, un des troisièmes points sur ce volet du tourisme durable, c'est d'inciter à découvrir les richesses touristiques et culturelles qui sont sur notre territoire et le lier à une offre de transport repensée. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il est nécessaire, sur la grande région que nous avons, de réfléchir à des transports adaptés pour justement répondre à ce modèle plus économique et plus vertueux. En particulier, nous avons mis en place des trains régionaux adaptés à cette politique saisonnière, cette saisonnalité du tourisme. Voilà. Le troisième axe sur lequel nous travaillons dans ce Green New Deal, c'est de former aux métiers d'avenir pour répondre aux mutations de travail dès demain. Près d'un habitant sur 3 en Occitanie, c'est un constat, est âgé de moins de 30 ans et cela fait de la jeunesse une des clés de l'avenir de notre territoire. C'est un sujet prioritaire dans nos budgets. La jeunesse, pour nous, c'est l'avenir de ce territoire et c'est aussi cette population que nous ciblons sur beaucoup de nos actions. Un des plans sur cette formation au métier d'avenir, le premier plan, c'est le plan lycée et l'enseignement supérieur de demain. Nous amplifions les dispositifs d'information sur les métiers, nous valorisons les bonnes pratiques environnementales, nous lutterons aussi, parce que c'est un vrai sujet, et aujourd'hui on en a un exemple, c'est ce que j'appelle l'électronisme. Alors, c'est des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, les mots de sens, et effectivement, il faut qu'on puisse aujourd'hui offrir aux jeunes une formation sur tout ce qui est les high-tech, même s'ils ont l'impression par leurs jeux vidéo, etc., qu'ils sont spécialisés, mais on s'aperçoit vite des limites.
s'en est aperçu ici tout à l'heure quand il a fallu brancher le son tout bêtement de notre visioconférence. Mais nous y sommes arrivés. Donc, on n'est pas victime de cet électronisme. Je voulais dire enfin le troisième plan de mutation et des métiers de demain en construisant des mobilités. Ça, c'est donc soutenir la mobilité des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on le sait tous, notre région, nos territoires sont aujourd'hui en difficulté sur l'emploi. Et donc, il faut qu'on soutienne la mobilité des demandeurs d'emploi et la mobilité des stagiaires. Par exemple, nous avons lancé une opération qui paraît anodine comme ça, mais tous les élèves de classe de 3e ont des stages à faire et ils ont beaucoup de difficultés à trouver des stages en entreprise. Eh bien, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, sous l'impulsion de sa présidente et de l'ensemble des élus, a bousculé les choses en essayant de mettre en place une application spécifique qui permet aux jeunes de trouver plus facilement ces stages. Nous avons enfin multiplié, renforcé l'offre de formation pour faciliter l'accès aux nouveaux métiers, des énergies renouvelables et tout ce qui concerne le climat. Et enfin, nous accompagnons aussi les chefs d'entreprise dans cette transition, puisque évidemment, ces métiers se feront dans les entreprises et c'est une obligation que les chefs d'entreprise soient associés à ces nouveaux métiers que nous souhaitons mettre en place et pour lesquels nous développerons des formations. Enfin, le dernier axe, qui est de construire les mobilités de demain. Pour nous, c'est important. Le plan rail, d'abord. On a besoin, c'est peut-être une spécificité française, mais je ne suis pas sûr que ça ne s'adresse pas aussi à d'autres de nos amis qui sont autour de la table, c'est de sauver le réseau ferroviaire. On est passé d'un réseau ferroviaire géré de manière nationale, mais sur lequel, dans les dernières années, l'État n'avait pas investi. Donc aujourd'hui, nous souhaitons investir des sommes très importantes sur ce réseau ferroviaire pour le sauver. Et on s'aperçoit que c'est indispensable. C'est une demande lorsqu'on a fait notre consultation. Je rappelle bien que tous ces sujets que je suis en train de vous exposer sont des sujets qui ont été vus par à peu près 20 000 concitoyens de la région Occitanie. Et que donc, si on a pris ces points et ces thèmes, c'est parce que c'est des points qui les concernent ou sur lesquels ils se sont sentis concernés. Donc, ce réseau ferroviaire, les mobilités pour le travail, pour les loisirs, ce réseau ferroviaire en fait partie. Ensuite, nous souhaitons réduire, c'est une évidence, le transport routier de marchandises par le développement du fret ferroviaire. La France est traversée, notre région en particulier, par des lignes ferroviaires, des lignes à grande vitesse, pas assez encore puisque nous avons, et vous le savez tous, puisque c'est un des sujets qui est abordé à chaque fois que nous en parlons lors de la CRPM, dans l'aspect des chantiers sur la mobilité, que nous avons une difficulté sur un maillage complet de la ligne à grande vitesse entre Barcelone et Paris, hein, et que ça se situe dans notre région. Donc nous faisons le maximum avec la présidente pour faire que ce maillage soit enfin terminé, ce n'est pas sans difficulté. Donc ce transport de marchandises, du fret, ça nous pousse aussi à mettre en place ces liaisons ferroviaires et d'éviter qu'un certain nombre de camions passent sur nos autoroutes régulièrement avec tout ce que ça veut dire comme pollution et problèmes sur le climat. Sur ce plan rail, nous investirons aussi sur le matériel et nous imaginerons et réaliserons les gares du futur. C'est des sujets que nous avons regardés de très près. Il ne faut pas que ces gares apportent des problèmes particuliers. Il faut qu'elles soient neutres sur le plan environnemental. Enfin, il y a un sujet qui nous a intéressés, mais qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, avec le plan vélo, les intermodalités et tout ce qui est nouvelle mobilité. Donc, ce sont des choses qui sont essentielles pour nous. Sur quoi maintenant on va agir? Je vous ai donné les plans, je vous ai donné les axes sur lesquels nous travaillons. C'est les nouveaux repères économiques. Ce qu'on veut faire, c'est entreprendre une démarche de classification sous un angle autre que le PIB. Je crois qu'il y a aussi des manières de juger le développement d'un territoire autrement que par le PIB que nous connaissons depuis très longtemps. Et nous souhaitons mettre en œuvre une évaluation des politiques publiques fondée sur des critères objectifs. Des audits financiers pourront être aussi lancés en y associant les citoyens. Nous avons aussi renforcé dans nos aides que nous apportons aux collectivités infrarégionales, nous renforçant des conditionnalités. C'est-à-dire que, par exemple, demain, nous n'accepterons pas de financer une zone économique ou un projet qui ne prendra pas en compte la dimension environnementale. C'est quelque chose qui aujourd'hui se faisait, mais de manière un petit peu moins structurée que ce que nous souhaitons le faire. Enfin, un deuxième levier, c'est la région citoyenne. Nous avons créé un Parlement de l'alimentation durable
pour amplifier le travail de collaboration et de concertation entre les acteurs de l'alimentation et les consommateurs. Nous allons promouvoir le recours à la votation citoyenne. Ça nous a paru quelque chose d'important et c'est très demandé. Nous allons aussi organiser de nouvelles conventions, juger et prendre en compte les propositions par rapport à nos politiques. Qu'on regarde, qu'on fasse des étapes et qu'on nous dise « oui, on prend le bon chemin, on ne le prend pas, il faut corriger ou pas corriger ». Un troisième levier, c'est la transition numérique. C'est d'accélérer le développement des services numériques. C'est mettre l'intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces points et sur ces leviers. Parler aussi de justice territoriale, un des leviers. Nous souhaitons déployer un centre de ressources aussi pour le foncier. Quand je parle de justice territoriale, c'est le rééquilibrage et la décentralisation. Donc, déployer des ressources du foncier, ce centre de ressources sera mis à disposition des territoires pour aider à ce que les collectivités locales puissent avoir un soutien lorsqu'ils veulent aménager des secteurs et ces secteurs sont en tension eu égard à la spéculation foncière. Nous voulons aussi mettre en place, dans le cadre de ce levier d'action sur la justice sociale, un bouquet de services publics dans les territoires les plus ruraux. Et puis, nous voulons expérimenter de nouvelles compétences. Je le dirai peut-être dans ma conclusion, mais je crois qu'aujourd'hui, si j'analyse notre situation au niveau de l'Occitanie, je parle bien au niveau de l'Occitanie et des régions françaises, nous souhaiterions que les nouvelles compétences soient confiées aux régions. Nous pensons en particulier à aller au-delà sur le ferroviaire, où souvent nous sommes bloqués parce que l'État ne donne pas d'autorisation, sur la gestion de l'eau, sur laquelle nous pourrions avoir une action importante, parce qu'il me semble que l'échelon régional est approprié. Et enfin, sur les questions de santé, où nous nous sommes aperçus que les ARS régionales aujourd'hui, qui sont pilotées de manière nationale, pourraient avoir une ouverture beaucoup plus facile, une action beaucoup plus facile et facilitée par leur attachement à la région et par l'association de la région sur ces structures de santé. Enfin, je voudrais parler d'un levier aussi qui est l'ouverture et la coopération. Ça, c'est pour nous, c'est important. J'allais dire que c'est le thème aujourd'hui de ce que nous faisons. La région est ouverte sur le monde et l'Occitanie a des relations privilégiées, vous le savez, avec l'Europe, les régions méditerranéennes. Et nous partageons beaucoup d'ambitions avec les communes au travers de notre politique de coopération. À l'heure de la mondialisation, le renforcement de ces liens est primordial. C'est essentiel, je pense, pour notre avenir. La région se démarque à l'international. Et il convient de conforter ses positions et de les renforcer encore davantage pour profiter des retombées économiques, mais également des retombées culturelles qui en découlent. Donc, nous souhaitons renforcer l'Occitanie en tant que pôle de visibilité et d'attractivité à l'international. C'est quelque chose d'important. Nous souhaitons développer et élargir la mobilité à l'international des jeunes apprenants et de nouveaux publics, via notamment un guichet unique de la mobilité à destination des lycéens, des jeunes sportifs, des chercheurs, et via également à l'intégration d'un volet mobilité des apprenants dans chaque accord de coopération signé par la région. Enfin, nous voulons réaffirmer l'ambition méditerranéenne de la région en développant des partenariats solidaires et durables avec plusieurs régions du continent africain sur les thèmes du Green New Deal, comme l'agriculture, l'alimentation durable, la transition énergétique et l'attractivité économique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions que nous menons dans le cadre de cette consultation que nous avons menée, de ce Green New Deal que nous avons élaboré, sachant que ce Green New Deal a été voté au mois de novembre, dans notre assemblée plénière et qu'il va être appliqué dans tous les axes de notre politique et qu'il sera décliné systématiquement là-dedans. Donc, cette action était très importante. Elle nous relie à 2030 et ça nous relie à la politique que nous souhaitons la politique mondiale monde 2030, le nom m'échappe, pardon, maintenant, c'est très important. Donc, c'est des sujets qui nous préoccupent, c'est des sujets qui doivent tous nous préoccuper, parce que ces gouvernances aujourd'hui, il faut qu'on insiste auprès de l'Europe, qu'on insiste régulièrement lorsque nous rencontrons, et je parle ici au président de la Commission interméditerranéenne, mais de la CRPM s'il était là, de nos différentes entités, pour à chaque fois qu'on a la possibilité de dire à l'Europe et à nos pays respectifs, il est important que les régions, il est important que les villes, il est important que l'euro-région soit associée à ces gouvernances et soit associée à chaque fois à ces réflexions.
c'est essentiel. Si on veut réussir, ce n'est pas au niveau d'un État qu'on réussira. C'est au niveau de l'euro-région, des régions, des intercommunalités, pour ce qui concerne la France, mais d'autres structures pour d'autres pays. C'est important de faire passer ce message-là. Moi, je le vois au niveau de la CIM, puisque je participe à des réunions de la CIM régulièrement, avec nos amis de l'Italie, je crois qu'ils interviendront cet après-midi. Mais je crois qu'il est important qu'à chaque fois, les régions soient associées. C'est des partenaires essentiels. C'est, je crois, la clé de la réussite, de la mise en place des politiques de demain et que nous voulons réussir. Je crois que j'ai dépassé peut-être mon temps. Élodie, j'en suis désolé. Je voulais remercier, puisque vous m'aviez dit tout à l'heure que j'avais 2 minutes pour dire, remercier tous les intervenants précédents qui, chacun sur leurs différents niveaux respectifs, se sont associés à ces objectifs que nous partageons tous, mais qui sont des objectifs incontournables pour notre réussite de demain. Et le Covid nous montre plus que jamais que nous n'avons pas le droit de faillir sur la réussite de ces objectifs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Escropé, pour cette présentation exhaustive du Green New Deal de notre belle région de l'Occitanie. Alors, je ne vais pas répéter les détails que vous avez dit, c'est vrai, mais je pense que ce sont des éléments que vous avez présentés et qui présentent une base sur laquelle aussi, eh bien, nous pouvons construire de la coopération et de la capitalisation dans le cadre de nos travaux avec l'Alliance pour la coopération méditerranéenne. Donc, au sein de nos réseaux, que ce soit la Commission interméditerranéenne ou que ce soit l'euro-région, par exemple, mais aussi les réseaux des villes qui sont partie prenante de notre alliance. Et naturellement, avec les initiatives ou les stratégies ou les programmes dans lesquels nous participons. Je sais que vous me faites ça, mais je n'ai pas d'autres moyens. Je pense que les autres m'entendent, j'espère. voilà, donc je vous remercie. J'aimerais ouvrir le débat rapidement parce que finalement, on arrive à la fin de notre séance. Donc, nous avons eu, je vous encourage à poser vos questions dans le chat. Nous avons eu pour l'instant quelques questions, donc je vais les adresser aux panélistes. Et donc, je vous encourage évidemment à répondre comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'ordre de réponse pressenti. I'm going back to English because the questions are in English to kick off the debate. So the first question is, what priorities do you consider that should be promoted in the framework of Euro-Mediterranean cooperation? So quelles seraient les priorités, selon vous, qui devraient être promues dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne? Et donc, c'est une question qui s'adresse à nos intervenants de ce matin. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre? Pardon. Alors, je vois que le représentant de Médicité, malheureusement, a dû partir. Est-ce que, monsieur Escropé, vous souhaitez répondre? Je vois que vous êtes encore avec la vidéo. Bon. Alors, si... M'entendez ? Oui, c'est bon. J'ai mal entendu la question. Juste, Élodie, est-ce que vous pouvez la répéter ? Alors oui, la question était, quelle priorité pensez-vous, quelle priorité devrions-nous mettre en lumière dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne ? Quels seraient les éléments prioritaires travailler ensemble ? Il me semble que la mise en place du pacte vert en Méditerranée est un sujet important. Que l'on pourrait, à mon avis, donner comme une des priorités, puisqu'il englobe à peu près tous les thèmes qui nous concernent. Et au travers d'Euromed, peut-être, ou d'autres structures de ce type-là, il me semble que c'est une, je ne dis pas que c'est la seule, je crois que c'est une des priorités qui serait importante de mettre en œuvre, en tout cas pour ce que j'en vois. La Méditerranée, aujourd'hui, on le voit, est une mer plus sensible que les autres en matière de réaction à tout ce qui est pollution. On s'en est aperçu, on a eu ici des expériences avec Tara,
notre bateau qui fait le tour des fleuves et des mers, qui a récupéré des stocks de plastique, mais ça nous le savons, c'est pas nouveau, mais qui a repéré aussi des points très importants. Nous avons ici un parc naturel qui gère le golfe du Lion et au-delà, et qui met en évidence des pollutions très très fortes, des agressions très fortes de la biodiversité marine. Et donc on sait que c'est des sujets qui demain vont nous impacter directement parce que la mer réagit tout de suite et c'est la suite après que l'on va constater. Donc il me semble que c'est une des priorités qu'on pourrait se donner. Merci beaucoup. Qui joue sur le climat en même temps. Bien sûr. Qui répond évidemment aux agendas globaux dans lesquels on inscrit aussi notre action. I think Mrs. Alessandra Senti from UFM wanted to comment also. Yeah, thank you very Alessandra. Much, Elodie, and thank you very thank much, you. Everybody. I see we are all very much aligned, so this is again very encouraging. I'd like also to support, of course, the point on the environmental degradation, climatic crisis, but I think that we have to take into account the root causes of all these. So again, the fact that the Mediterranean countries already in 2014 have been deciding to move towards a sort of Mediterranean Green Deal, how we call it now, basically tackling the change in the economic model as root cause for all the environmental impacts that we have, among other problems, is probably the way to go. So we should have a more integrated, let's say, approach to this. And this, of course, doesn't mean that we won't be supporting specific and single action. We all know the let's say, challenge that we have at the moment, especially in the Mediterranean, as it was mentioned, as close basin. But again, the focus should be on the root causes and why all this is happening. So thank you very much. Thank you, Alessandra, for this. I think we all agree. And let's hope to understand how we can articulate also our actions to identify on the same ground, you know, what the root causes could be. And from there, how we can also elaborate and balance, let's say, the contribution of everyone so that we can tackle the challenges. Yeah, and sorry, Elodie, let me also add that, of mm-hmm. course, this is not a preference for one or other action. Again, there has been a lot of focus, of course, on the sea because it's our shared common good. But, of course, it's very clear that many of the impacts on the sea do come from land. So there is strong need to ensure this interaction also land, sea, in the future. Thank you. Yes. Future. Thanks for reminding this. I think it's clear that what happens on the land ends up lots of times on the sea, in the sea. And I think it goes back also to the collaboration that we are having with the Medcos4BG project. So it's very good that this collaboration with UFM gives us the opportunity also to reach out to the countries of the UFM and raise awareness, whether it be at state level, but also at more territorial level. And in this, I think, it allows me to bounce back to what Mr. Esclope was saying with the citizens and the consultations that they've had with the citizens, because it's also a way to involve them in the decision-making and have them understand what the stakes are at territorial level. So I think it's a good practice that we could also build from in the future. Est-ce que nous avons peut-être un commentaire de la part de l'ARLEM, de Madame Bourdoud? Souhaitez-vous commenter? Oui, c'est Monsieur Sclopé. Oui, Monsieur Sclopé. Bon, juste, je voudrais parler de la dimension politique quand même de notre Euro-région et de nos régions. Et je crois que, certes, nous n'avons pas une structure juridique au niveau de l'Euro-région qui nous permet de nous engager politiquement, mais chacun de nos régions respectives, je crois qu'on a un devoir de s'engager politiquement sur ce que nous venons sur nos objectifs et sur nos ambitions. Et en ce qui concerne la présidente Carole Delga, je crois qu'elle va
pendant la période de présidence de l'Eurorégion, je ne trahirai pas de secret en disant qu'elle va peser politiquement sur les choix que nous ferons. C'est important. Je crois que ces messages-là sont des messages qu'il faut porter les uns les autres avec nos caractéristiques, avec nos messages que nous avons à mener au niveau de l'Europe. C'est effectivement des choses qui sont... Les États doivent entendre au travers des régions quelle politique nous menons, les marqueurs que nous avons. Je crois que c'est très important que chacun puisse y apporter sa pierre. Je parle en particulier dans les terres d'accueil que nous avons voulu mettre en place sur l'Occitanie. C'est quelque chose d'important sur la politique migratoire en particulier. On s'est aperçu qu'on était parfois en difficulté parce qu'on ne s'engageait peut-être pas assez politiquement, les uns et les autres. Et on ne peut pas continuer à voir la Méditerranée comme une mer sur laquelle un certain nombre de gens meurent. Et ça, c'est pas tenable. Et ça, c'est sur des actions politiques qu'on les mènera. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Escropé, pour ce dernier point, évidemment, qui est clé, hein, qui nous permet de considérer la Méditerranée non pas comme un espace de division, mais bien comme un espace qui unit les territoires qui en font et bien ses rives. Et je pense que quand on prend une carte de la Méditerranée, effectivement, qu'on la fait tourner dans un autre sens, eh bien la perspective change et on se rend compte que c'est quand même un trait d'union finalement entre tous nos pays, au-delà des différentes structures sociales ou administratives qu'on a pu créer par le biais des années. Alors finalement, je vois que le temps passe, donc je vous propose eh bien de laisser la parole à Monsieur Alfonso González Bondia pour la prochaine session, qui est notre session plus politique. Donc cette session va présenter une étude sur la gouvernance multiniveau, et donc une étude que je vais découvrir également avec vous. Et je vous encourage toujours à poser vos questions dans le chat si eh bien, vous souhaitez exprimer certains avis ou certaines idées pour que l'on puisse eh bien, en débattre par la suite, parce qu'il y a une partie de cette session qui sera dédiée au débat. Donc, Alfonso González Bondia. Te dejo la palabra, Alfonso, si quieres empezar. Gracias. Merci, Elodie. Comencem ara la segona sessió en la que... Un segon, que crec que s'acopla això o se sent bé? Se sent perfectament. Sí, sí, perfectament. Bé, deia que moltes gràcies, Elodie. Comencem ara la segona sessió en la que el professor Andrea Noferini ens presentarà els resultats de l'estudi Going Microregionally: Territorial Cooperation, Governance and Local and Regional Authorities in the Mediterranean. Em recorden des de l'organització que totes les persones que no participen en aquesta part de la jornada han de tancar els seus micròfons i càmeres. El professor Andrea Noferini és investigador sènior a la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. És doctor en Política i Economia dels Països en Desenvolupament per la Universitat de l'Estudi di Firenze i màster en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra. La seva trajectòria professional i acadèmica està centrada sobretot en l'àmbit de les polítiques públiques i les reformes institucionals a Europa i Amèrica Llatina. La majoria de les seves investigacions publicades tracten sobre la integració europea, la descentralització i l'impacte de la Unió Europea en els Estats membres i els països de l'ampliació. Els seus treballs de recerca tracten sobre múltiples temes, com per exemple els mecanismes de participació de les administracions regionals i locals en la formulació de polítiques de la Unió Europea, l'avaluació de polítiques públiques, la cooperació territorial, la política de cohesió i la creació de capacitats institucionals i administratives i la cooperació descentralitzada. Actualment, el professor Noferini és secretari acadèmic de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, amb seu a Barcelona, i membre de diverses associacions internacionals i espanyoles de ciència política. Imparteix també classes en diferents màsters, com Espera en Governança Multinivell i Integració Europea, i ha participat en diversos projectes
i estudis finançats per ministeris nacionals i institucions europees i internacionals. L'estudi que avui ens presentarà el doctor Andrea Noferini s'emmarca en l'activitat desplegada pel govern català en ocasió del 25è aniversari del procés de Barcelona i amb la voluntat d'oferir una nova òptica que serveixi per orientar la futura i esperem que renovada governança a la Mediterrània, que els propers dies es debatrà en el marc de la commemoració d'aquest aniversari. Hem pogut comptar amb la inestimable col·laboració del professor Noferini, que com a expert en governança ha analitzat amb detall les iniciatives i tendències dels darrers anys, tant des del punt de vista transnacional, com per exemple les estratègies macroregionals o l'Agenda 2030, com des del punt de vista dels governs regionals i locals, amb les activitats que es desenvolupen en el marc de les xarxes o les iniciatives dels governs regionals i locals. A més, hem volgut fer aquesta contribució des de la MedCop Alliance, aquesta plataforma de xarxes que vam constituir el febrer del 2018, amb la idea de visibilitzar-la i posar en valor les xarxes a la Mediterrània i les dinàmiques que cadascuna d'elles genera. En l'actual context, el paper de les xarxes està prenent una importància creixent i per aquest motiu, des de la MedCop Alliance, cal treballar per la necessària coordinació i sinergia amb els altres nivells de govern, tant de cara a definir les estratègies mediterrànies com per fer front als grans reptes globals. Sens dubte, la MedCop Alliance tindrà un paper destacat en l'exploració de nous models o instruments de cooperació des d'una visió més integrada a la Mediterrània. Aquest estudi, que ara us presentem, és la nostra primera contribució en aquest any tan destacat i oportú per parlar de noves dinàmiques de la política de cooperació euromediterrània i de veïnatge. Abans de passar la paraula al professor Noferini, els recordo que poden plantejar preguntes a través de la funció Questions and Answers del Zoom o del chat del YouTube. I aquestes preguntes es resoldran quan finalitzi la intervenció del professor Noferini. Sense més, passo la paraula al doctor Andrea Noferini. Moltíssimes gràcies, director. Bon dia a totes i tots. Hablaré en castellano. Antes que nada, agradecer a las organizadoras y a los organizadores para invitarme a esta jornada tan interesante para poder compartir con vosotros y vosotras algunas primera reflexión a partir de este estudio. Voy a intentar compartir las pantallas para poder compartir la presentación. ¿Me podríais confirmar que se ve correctamente? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Elodie. Bueno, básicamente intentaré ser lo más breve posible, ahorrando temas, digamos, excesivamente académicos, intentando, digamos, presentar los resultados más concretos y con potencial, digamos, de aplicación. Este es un estudio de corto término, que tiene 6 meses de vida. El objetivo era básicamente reflexionar sobre la dimensión territorial de las relaciones euro-mediterráneas con un énfasis especial sobre la MedCop Alliance. Las unidades de análisis son las unidades territoriales. Aquí la llamamos Local and Regional Authority. Creo que la definición de Substate Authorities es más precisa, pero no entraré en estos aspectos. Sin más, digamos, la estructura del estudio prevé 3 partes y yo hablaré en esta presentación de la segunda y de la tercera parte. Básicamente, el punto de partida ha sido revisar un poco, ¿no? Aprovechando de los 25 años del proceso de Barcelona, la dimensión territorial de las relaciones euromediterráneas
y insertarla en un debate más amplio, que es el debate sobre las estrategias macroregionales. A mí me gusta más hablar de procesos de macroregionalización, pero más o menos para entendernos, creo que todos y todas aquí sabemos muy bien de qué se trata. A partir del 2009, ha pasado ya más de una década y tenemos cuatro estrategias macroregionales en el contexto de la Unión Europea. Quizá una quinta está bajo estudios. Y la idea de esta estrategia es la de construir espacios transnacionales, espacios funcional. Me gusta remarcar este concepto. Estamos hablando de regiones funcionales. Esto me permite luego evitar entrar en cierto debates que prevén la cooperación entre diferentes niveles de gobierno, desde lo supranacional hasta lo local, para intentar solucionar, solventar temas, políticas públicas que tienen elementos comunes. Entonces, yo he aprovechado de esta conjuntos de reflexiones sobre las estrategias macroregionales y he intentado actualizarlas en el marco de la Agenda 2030 y de la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Básicamente, bueno, aquí no voy a entrar en muchos detalles porque, repito, aquí el público ya conoce muy bien esto macro-regional thinking, la idea de poder utilizar este marco de las macro-regiones o de los procesos de macro-regionalización para asegurar una aproximación coordinada que tenga un valor añadido para poder incrementar y fortalecer y mejorar las sinergias, las complementariedades y la coordinación entre iniciativas que ya existen. Y como sabéis muy bien, el Mediterráneo está lleno de iniciativas, programas, acciones concretas que ven la participación de diferentes niveles de gobierno, tanto en el sur como en el norte. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista de los estudios de la integración europea los procesos de macroregionalización? Porque, bueno, según muchos autores y autoras, la idea es que estos mecanismos puedan representar nuevos modelos de gobernanza. Y gobernanza es uno de los mantras, uno de los conceptos clave de los últimos años, tanto en su definición de la gobernanza multinivel, pero también con otras característica, network governance, innovative governance, etcétera, etcétera. Podemos añadir aquí todos los adjetivos que queremos. Básicamente, lo que he intentado hacer en este estudio es poner de nuevo énfasis sobre dos conceptos claves, el territorio y la gobernanza, punto. El énfasis sobre el territorio ya tiene cierto recorrido. Os recuerdo el influente Barca Report del 2009, Fabrizio Barca, cuando estaba en la Comisión Europea, publicó un influyente trabajo que remarcaba la necesidad de intentar considerar los aspectos territoriales, ¿no? Los modelos de crecimiento endógenos, diríamos, para el desarrollo económico y social de los territorios. Esto conllevó todo una serie de acciones, en particular dentro de la política de cohesión, pero no solo, para, digamos, en las cuales vimos la participación activa de gobiernos, de niveles de gobiernos, ciudades y regiones, provincias, para utilizar términos más conocidos, en la definición y en la implementación de estas políticas públicas. Hoy en día quizá el acento ha cambiado un poco. Estos place-based approaches han sido criticados desde
desde varios puntos de vista por una serie de problemáticas que no voy a mencionar aquí, pero que todos conocemos, el excesivo localismo, capturas de los intereses locales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, se ha ampliado un poco el argumentario analítico o pasando a lo que se definen como network-based approaches, ¿no? La idea de la definición de espacios funcionales que van más allá de los espacios de las divisiones administrativas y políticas, ¿no? Entonces, con esta idea, con este pasaje desde place-based a network-based, la idea es que ahora la cooperación entre diferentes niveles de gobiernos puede ocurrir adentro de contextos regionales que están definidos desde el punto de vista funcionales, porque tenemos un problema en común, una necesidad en común que a lo mejor trascende las fronteras administrativas, ¿no? Y de aquí el énfasis, la importancia también de todos los trabajos anteriores sobre las que se han ya mencionado en la primera parte de este encuentro, sobre la cooperación transfronteriera, las euroregiones, entre otros fenómenos. Entonces, el territorio también es un elemento fundamental en la Agenda 2030, mediante el concepto de localización. Localización no quiere decir nada más que incluir los niveles de gobiernos locales en la definición, no solo en la implementación, porque eso también es un punto fundamental. Sabemos muy bien, hay estudios que nos dicen que el 70% de los ODS vendrán implementados a nivel subestatal, pero si por un lado es reconocido el papel de los entes territoriales en la implementación, aquí se necesita hacer un salto cualitativo y permitir a las regiones, a la ciudad, a las provincias y afines de participar en la definición de la política, no solo en la implementación. Esto permite dos objetivos: uno, mayor efectividad en la implementación cuando los entes subestatales participan en la definición, y también un incremento de la legitimidad. Efectividad y legitimidad son dos aspectos fundamentales de las políticas públicas. Por el otro lado, el concepto clave es el concepto de gobernanza. La gobernanza es fundamental para garantizar la coherencia de las políticas. Es importante porque en su, digamos, vertiente multinivel, y volveré más adelante sobre este concepto, requiere la coordinación vertical entre diferentes niveles de gobierno. Vivimos en un mundo en el cual la ciudadanía está más o menos insertada entre 5 y 7 diferentes niveles de gobierno. Entonces, esto incrementa la urgencia de mejorar la coordinación vertical, pero también, digamos, la que es la vertiente horizontal, ¿no? La apertura a lo que se define como stakeholders, a los intereses, a la sociedad civil, a las empresas y a todos los actores que pueden contribuir a definición e implementación de política más efectiva y más legítima. Entonces, veis que aquí el territorio y la gobernanza son dos elementos claves que permiten interpretar los procesos de macro o regionalización en el contexto de la nueva Agenda 2030. Con respecto al Mediterráneo, yo no soy un especialista, no me considero un especialista del Mediterráneo, así que no voy a entrar en muchos detalles. Estoy convencido que en las salas hay expertos y expertas que saben mucho más. Yo he aprovechado para repasar un poco la literatura sobre el Mediterráneo. Voy a dejar de lado la cuestión muy interesante si el Mediterráneo es muy dividido o está cohesionado por razones históricas, etcétera, etcétera. Sin duda, el punto de partida es que hay mucho que hacer para mejorar
para poder obtener mejores sinergias, mayor coordinación. Eso es el punto fundamental, ¿no? Ahora, mapear, yo lo he intentado en este estudio, la cantidad de iniciativas, estrategias, programas, tanto a nivel multilateral, bilateral, a nivel de cooperación descentralizada, es prácticamente imposible, ¿no? Pero si vemos que el último report sobre Sustainable Development del 2019, que fue básicamente explícitamente calado a la realidad del Mediterráneo, decía que aún queda mucho, y si consideramos que existe un SDG, el 17, centrado en los temas de las alianzas y de las cooperaciones, ahí tampoco tenemos todo resuelto. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, y aprovechado de estos estudios para, digamos, resumir cuáles son los grandes desafíos que encontramos actualmente en el Mediterráneo. Aquí es evidenciado cuatro: la necesidad de incrementar el compromiso por parte de los principales actores políticos. Y aquí los problemas son varios, porque los gobiernos tienen a veces intereses diferentes. Segundo aspecto, establecer mecanismos de gobernanzas efectivos, justos y participados, porque esto incrementa las posibilidades de implementar correctamente la política. Y luego, dos cuestiones capitales: la selección de las prioridades, que es más urgente atacar en el Mediterráneo actualmente y en la próxima década, y la cuestión de la financiación, que es un elemento fundamental. Dicho esto, la pregunta clave es: ¿qué puede aportar la MedCop Alliance como red de redes en este contexto? ¿Y por qué la MedCop Alliance? Bueno, porque es una organización que tiene potencialidades por las características de sus miembros. Aquí veis una pequeña tabla que resume un poco algunos elementos. Aquí tenemos un elemento que a mí me ha interesado desde el principio: es la naturaleza multinivel de la alianza misma. Es uno de los pocos casos en los cuales tenemos gobiernos locales, gobiernos supralocales, entidades subestatales, comunidades autónomas y regiones. Entonces, esto permite, volveré más adelante al final, permite, digamos, garantizar diferentes escalas de intervención. Entonces, a partir de aquí, digamos, la pregunta, veis aquí, digamos, los resultados del estudio ha sido esta SWOT análisis, esta DAFO, que intenta responder a esta pregunta: ¿cuál podría ser el papel de la MedCop Alliance en el presente y en el futuro de la cooperación territorial en el marco del Mediterráneo? Y básicamente aquí ya me acerco a las conclusiones. Aquí he dividido la cuestión en dos aspectos: digamos, los condicionantes externos actuales, y luego la característica propia de la alianza. Por cuanto respecta, digamos, los elementos externos, desde el lado de las oportunidades, bueno, esto estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de macro o de estrategias macroregionales. Hay un énfasis, hay un interés, hay un commitment político para poder implementar estructura de este tipo. Justamente hace poco se ha también aprobado el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Entonces, bueno, tendremos un nuevo marco en el cual nos esperamos ciertas mejoras desde el punto de vista de la financiación y de las posibilidades de poder, digamos, canalizar los esfuerzos hacia estas estrategias macroregionales. Desde el punto de vista de las amenazas, bueno, aquí sí que el Mediterráneo, vale la pena mencionar, sigue siendo un área bastante instable y con cierta
con ciertas dificultades aún no solucionadas. Desde el punto de vista de, de los niveles de descentralizaciones, de nuevo, tenemos diferentes características con ciertas asimetrías desde el punto de vista de las capacidades administrativas como de las capacidades institucionales a los dos lados lados del Mediterráneo. Y en el escenario de la pandemia generada por el COVID-19, aquí veis lo expuesto en las dos columnas, ¿no? Para aquí nos esperaremos ciertas dificultades debidas al empeoramiento de la situación económica, pero al mismo tiempo es una oportunidad para las entidades territoriales para encontrar espacios de participación. Por lo que son, digamos, los aspectos internos de la alianza, repito, no voy a elencarlos todos, me centraré solo en algunos aspectos fundamentales. El carácter multinivel, vuelvo a subrayar estos aspectos, me parece importante. La alianza cuenta con miembros que como implementadores de las políticas de cohesión, de la política de vecindad, de la cooperación transnacional, ya tienen una vasta experiencia, también en el campo de la cooperación descentralizada. Aquí es importante subrayar las presencias de miembros que ya permiten, digamos, cierto diálogo con las municipalidades del sur del Mediterráneo y al mismo tiempo es una asociación que puede tener fuertes potenciales en términos de complementariedad con lo que ya existe en el Mediterráneo, con lo que son espacios institucionales ya digamos, reconocidos, como por ejemplo el ARLEM y otros. Desde el punto de vista de las dificultades o de las debilidades, bueno, aquí sale evidente el clásico problema de la coordinación. Cuanto más alto es el número de actores, mayor serán las dificultades o podrían ser las dificultades en términos organizativos. Temas de estatus legal, en el caso que se quiera participar directamente en la financiación europea, y algunos otros temas que tienen a que ver con las variables políticas, ¿no? Aquí es fundamental, aquí nadie puede ir solo, digamos, aquí es necesario encontrar un sistema de incentivos que permita a todos los gobiernos de todos los diferentes niveles de gobiernos encontrar un incentivo a la participación en mecanismos que fomenten la coordinación y la búsqueda de mayor sinergias en el Mediterráneo. Concluyendo, porque al final creo que la parte más interesante es el debate, yo creo que por un lado existe una fenestra, de oportunidad, una ventana de oportunidad a nivel internacional, siempre y cuando la inestabilidad política no reduzca o no cierre definitivamente esta ventana. Es necesario también por parte de la alianza incrementar, fortalecer, digamos, el grado de conocimiento que puedan tener los territorios de esta nueva iniciativa. Esto ayuda en incrementar la legitimidad, la efectividad de la alianza misma y al mismo tiempo, ¿no? Digamos, otro aspecto que es interesante es este liderazgo desde abajo, ¿no? El bottom-up creo que es uno de los elementos fundamentales porque permite acercar la definición de la política pública a la ciudadanía. Así que básicamente, bueno, no voy a terminar aquí, no quiero extenderme más, espero que el estudio se pueda publicar en las próximas semanas y a partir de ahí podamos alimentar un poco el debate. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Noferini. Creo que este trabajo que ha realizado será de gran utilidad para la MedCop Alliance y también para contribuir de manera constructiva a la gobernanza del espacio mediterráneo. Recuerdo que tenemos abierta la posibilidad de que se planteen preguntas al ponente. Ya hemos recibido
una pregunta y tiene que ver con el tema nuclear de su intervención, ¿no? El de la mejora de la gobernanza como uno de los retos que se plantean en los espacios donde conviven administraciones estatales, regionales y locales con organizaciones internacionales y redes de cooperación regionales y locales como las que forman parte de la MedCop Alliance. Está claro por su intervención que esta no es una tarea fácil, y nos ha planteado usted un detallado análisis de la situación en la que se encuentra la MedCop Alliance para contribuir a la gestión del espacio mediterráneo. La pregunta que se nos plantea no es nada fácil, ¿no? Y es la siguiente. ¿Cree que los estados, las regiones, los municipios, las organizaciones internacionales y las redes estamos preparados para coordinarnos mejor? ¿Qué tendríamos que cambiar para mejorar esta coordinación? Pregunta difícil. Intentaré esbozar una respuesta. Yo creo que es una necesidad. Es una necesidad por la de entenderse y de fomentar la coordinación entre diferentes niveles de gobiernos. Por la característica del mundo en el cual vivimos y por las complejidades de la urgencia, necesidades a las cuales la política pública tiene que responder, yo creo que ya hace tres décadas por lo menos que se ha roto un poco esta idea de las políticas verticales centralizadas. Hoy en día, digamos, el marco de la gobernanza multinivel es el marco dominante. Yo nutro unas dudas casi filosóficas sobre las dificultades de declinar la gobernanza multinivel en políticas públicas reales, porque es muy compleja, es muy difícil, requiere mayor coordinación. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con la idea que existen diferentes maneras de poder garantizar esta coordinación entre diferentes niveles de gobiernos dependiendo del contexto en el cual operamos. Quiero decir, no existe un modelo único de gobernanza multinivel. Existen principios que son al mismo tiempo los principios recogidos en la Agenda 2030, coordinación entre niveles institucionales, coordinación con stakeholders, participación de más actores. Entonces, esto, digamos, el esquema. ¿Cómo luego se declina en cada contexto? Yo creo que esto depende de las posibilidades, de las limitaciones que el contexto mismo puede ofrecer o generar. Y calado a la realidad del Mediterráneo, el Mediterráneo es enormemente amplio y entonces no me preocuparía si viera modelos de gobernanza multinivel diferentes, diferenciales, según los actores que participan, porque al final lo que interesa es que exista esta mayor coordinación, que se instaure un mecanismos de unos incentivos. Al final aquí tenemos que encontrar el sistema de incentivos según los cuales cada nivel de gobierno encuentre positivos, beneficioso participar en estos mecanismos que a veces pueden ser un poco más costosos en términos administrativos, en términos políticos, porque hay que compartir ideas y en cierto caso reducir, digamos, los propios intereses. No sé si he sabido responder, pero la pregunta era muy difícil. Sin duda no hay una respuesta seguramente fija y completamente acertada, porque es un espacio por explorar y además no solo eso, sino que es un reto que también tienen las administraciones y las instituciones, y por lo tanto seguramente lo primero que tiene que haber es una voluntad, ¿no?, para coordinarse mejor y evitar solapamientos, evitar vacíos, evitar contradicciones, porque al final todas las administraciones y todas las instituciones estamos gestionando recursos públicos y la buena gestión nos obliga necesariamente a
a trabajar de manera conjunta y de manera coordinada. También tenemos una pregunta al hilo de lo que ha señalado usted sobre el liderazgo desde abajo, ¿no? Y, ¿cómo cree usted que la MedCop Alliance podría ser un instrumento útil para acompañar a los territorios en la capitalización de iniciativas, para compartir buenas prácticas y para la implementación de los cambios a nivel territorial, ¿no? Revisando un poco la génesis y el desarrollo de las cuatro estrategias macroregionales que ya existen, la literatura lo que nos dicen, y en estos años han salido varios informes interesantes, es que allá donde existen ya redes que trabajan o que trabajaban a temas transnacionales, transfronterizos y cooperaban, estas redes han permitido, han ayudado, han facilitado el desarrollo de estas macro estrategias regionales. No sé si hay que ir para una otra o otra dos o una única estrategia macroregional. Eso es un tema muy, 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 muy interesante. Sin embargo, yo creo que la MedCop Alliance podría estar muy bien posicionadas en el próximo futuro si ya demuestra, como está demostrando, que puede garantizar cierta efectividad, cierta representatividad, cierta legitimidad. Y esto se hace mediante acciones concretas, mediante fomentar la coordinación con las organizaciones que ya existen. Ahí en el paper se comenta, hay potencialidad para poder fortalecer la cooperación con organizaciones ya existentes. Entonces, claro, allá esperando, digamos, que los tiempos sean un poco más maduros, que se pueda garantizar cierta estabilidad en ciertas áreas del Mediterráneo, yo creo que en aquel momento, si la MedCop Alliance ya está viva, presente, activa, puede representar sin dudas un elemento, un acelerador para luego incrementar estas sinergias. Repito, hay problemas que ya no se pueden atacar a nivel de singulo gobierno estatal, se requiere la participación. Aquí se ha dicho en la primera parte, el territorio es fundamental porque ahí son donde se desprenden al final los impactos negativos, tanto de las pandemias como de la del cambio climático y de la digitalización, por ejemplo. Hay muchísimos problemas que requieren cooperación, sinergias y participación a diferentes niveles. Entonces, lo importante es estar pronto, estar listos para cuando, digamos, haya la abertura de cierta posibilidades a nivel político, evidentemente. Sí, muchas gracias. Tenemos también una pregunta que tiene que ver con los diversos modelos de organización política existente en todo lo que es la riba mediterránea, ¿no? Y los diversos niveles también de concepción democrática, y pregunta cómo es posible el rendimiento de cuentas, ¿no? Teniendo en cuenta que existen diferentes concepciones de los modelos democráticos entre los diferentes socios de la riba mediterránea. Pregunta muy, muy, muy interesante. Aquí, mira, mire, yo... Cuando me he puesto a estudiar la Agenda 2030, hay un concepto muy interesante que esto es de governance through goal, gobernanza mediante objetivo. Y la idea que la agenda quiere establece principios universales, Estado de Derecho, buena gobernanza, etc., que luego se declinarán a nivel territorial. Entonces, la agenda es interesante porque fija, digamos, las directrices, pero luego, mediante la territorialización y la localización, permite que, digamos, los diferentes contextos geográficos, administrativos, políticos, jurídicos, etcétera, puedan declinar estos principios universales a lo que son las características del territorio y la posibilidad. Entonces, yo creo que hay espacios
partiendo de la amplitud, de la variación que hay en términos de características de los diferentes niveles de gobierno. Sabemos que hay municipalidades en muchos lados, pero que tienen capacidades diferenciales, que tienen niveles de autonomía diferentes. Sin embargo, el marco tanto de la gobernanza multinivel como de la Agenda 2030 es suficientemente amplio para permitir que se vayan construyendo modelos diferentes por cada territorio, siempre reconduciéndose a estos principios que deberían guiar la acción política. Uno de estos es la accountability, la rendición de cuenta. Y esto lo hemos estudiado también en otros contextos. Cuanto más accountable, cuanto más transparentes, cuanto más legítimas son las políticas públicas, mayor respuestas hay por parte de la ciudadanía, aunque cuando estas políticas pueden conllevar ganadores y perdedores. Entonces, la legitimidad, la rendición de cuentas son algunos de los aspectos clave para que las políticas se puedan luego implementar. Recordemos que las reformas siempre cuestan, cuestan en términos sociales, en términos políticos. Entonces, claro, aquí hay que encontrar la manera para convencer. Y la rendición es uno de estos elementos. Muchas gracias, profesor Noferini, por las respuestas. Lamentablemente, se nos ha acabado el temps y paso ahora ya la palabra al moderador de la següent sesió, el senyor Xavier Bernat Sanz, director general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que moderarà el debat sobre el treball en xarxa i els reptes i oportunitats per construir un espai mediterrani més resilient. Bon dia, gràcies, Xavier. Thank you. Gràcies, Alfonso. Are you hearing me? Yes? I don't know if the technicians could give me the floor with my camera. Okay, that's okay. Thank you again for your debate and the presentation of the study. Right now we are passing through the last debate. As we just seen, the keywords are to be ready and also to have a government to goal. In this round table, and I thank in advance all the speakers that I will present, introduce quickly, and all the participants. In this round table, we will debate about the networking for Mediterranean cooperation, and we try to fix or at least to debate about challenges and opportunities towards a more resilient Med Basin. As we have seen in the next in the last debate, the crisis, the pandemic of the COVID has stressed the problematical point about to be ready to next crisis. So all the opponents, all the speakers that I will introduce will speak. Please, could you turn on your cameras and turn off your micros? So first, we'll I will present Curcio Servilli, the director of the Joint Secretary of the Interreg Med. So welcome to Curcio. I will give in a few minutes the floor. Next, we'll speak Vincent Ernoux. So he's the coordinator of the NECBC Med program of the Western Mediterranean. So thank you to be here today. And then we'll speak Imen Wardani. Thank you to be here. She's deputy mayor of Sousse and member of Med Cities. And not the least, but Francesco Coco, representative of the INUREC initiative and general secretary of the Adriatic Union region, will take the floor. And last but not least, I'll excuse the presence of Watif Derous, the vice president of the CPMR Intermediterranean Commission and regional council of the Rabat Saleh Kenitra region. And if you're okay, if the time allows us, I will give the floor at least to Elodie that will speak on his behalf. So the two main questions you have every speaker to answer.
to be synthetic, please, in less than 10 minutes to give time to debate. So the first question, what role does multi-level governance play in the sound implementation of territorial cooperation in the Med Basin? And the second question is, how can these dynamics support a recovery and transition of the basin towards more multi-level governance and integrated development to ensure sustainability and mainly to ensure also resilience? So, Curcio, prego, the floor is yours. I know if you can, please. Merci beaucoup. I'm going to speak in French for sake of clarity for you and for me. Merci beaucoup, Xavier. Donc, moi, beaucoup de choses ont déjà été anticipées et dites. Et je vais néanmoins reprendre trois mots que les représentants de la Commission européenne soulignent souvent dans ces temps. Et qui doivent un peu nous caractériser en tant que programme Interreg Euromed, ce sera le nouveau nom de ce futur programme sur 21-27, coordination, coopération et concentration. La coordination, de notre point de vue, bien entendu, va être importante avec les programmes de la coopération territoriale qui travaillent dans les bassins méditerranéens. Donc, une coordination technique, une coordination pour faciliter les bénéficiaires. La coopération, c'est là où je vois le rôle de la MedCoop Alliance en tant que réseau de réseaux. C'est la coopération avec tout acteur territorial, national, européen, qui puisse faciliter les transferts de nos résultats. Les plus grands mal dont nous souffrons, c'est l'intégration des résultats de ce type de programme dans les politiques territoriales, dans les politiques nationales et dans les politiques européennes. Donc, un réseau tel que celui qui est proposé, bien entendu, facilitera, je l'espère, la capacité qui est la nôtre d'impacter davantage tous ceux qui peuvent en avoir l'intérêt et concrétiser par les transferts dans les territoires de nos résultats. Donc là, c'est un peu le focus que je voulais souligner, c'est la connaissance qui est la vôtre, et ça a été souligné justement par l'étude qui nous a été présentée, les territoires et la gouvernance. Les programmes de la coopération territoriale, bien entendu, sont au milieu entre les deux. Ce n'est pas par hasard que nous, en tant que programme Euromed, on mettra l'accent sur tout ce qui est le Green Deal, tel que sollicité par la Commission européenne, probablement autour de 60% de nos ressources. On ira aussi sur tout ce qui est innovation, mais on gardera tout au moins un axe qui pour nous est essentiel, qui est celui sur la gouvernance, avec peut-être pas beaucoup de ressources, parce que désormais les négociations ont baissé de 15 à 10% du budget total la capacité de financer des activités de gouvernance, mais ça restera le centre de notre architecture, de notre activité. Donc, la capacité qui est la vôtre de pouvoir nous supporter et vice-versa, parce que c'est donnant-donnant, bien entendu, de nous aider à concrétiser les activités de gouvernance que nous pourrons mener par un meilleur ciblage des politiques, par un meilleur ciblage des territoires, des objectifs. Bien entendu, ce sera tout à l'avantage d'un développement territorial intégré et de la durabilité de nos activités, qu'elle soit telle simplement adressée aux problèmes environnementaux, mais aussi financiers, aux bénéficiaires, ainsi de suite. Donc, moi, je souligne et j'insiste, on n'a pas un cadre réglementaire qui nous soit imposé pour nous structurer.
Quelque part, c'est dommage, mais ça nous donne aussi de la liberté et de la flexibilité pour pouvoir nous organiser. Donc, il faut que par ces réseaux de réseaux, qui, encore une fois, a été très bien souligné, rassemble à la fois des régions, des provinces, des communes, qui intègre aussi des stratégies, il ne faut pas l'oublier, qui est en ligne avec la seule et unique stratégie macro-régionale existante, mais qui travaille bien sûr avec WestMed. Donc cet ensemble, c'est notre scénario avec lequel on doit travailler, on doit coopérer, j'insiste, ce mot c'est la coopération, tandis qu'après ce sera aussi un autre problème de se coordonner avec les autres programmes qui travaillent en Méditerranée pour en arriver enfin à cette concentration des moyens sur des objectifs clairs, ça a été déjà dit ça aussi, donc je me répète, qui ne soient pas trop nombreux, mais qui doivent être portés avec efficience et efficacité. Voilà, donc moi je dirais pour garder le temps, j'en resterai là. Thank you very much. Grazie mille, Curcio. So if I sum up, the key words are cooperation, coordination, cooperation and concentration to be more efficient. And we also give take your idea of being associated and you're looking after our positive participation to the preparation of the next program. So I think that all the speakers and all the members of this network will be really eager to be in a positive let's say participation in this next step for the MED program. So I will give the floor to another program, but really close to your program. Donc bonjour and welcome to Vincent Ernoux. So he's, as I said, the coordinator of the NECBC MED program. If you could please, I give you the floor, and then I will try to have some debate with all of the speakers. Vincent, the floor is yours. Bien sûr, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup à la Generalitat de Catalunya pour avoir invité le programme, notamment ma directrice Anna Cade, qui malheureusement ne peut pas être parmi vous aujourd'hui. Merci aussi à la CRPM qui nous a tout gentiment contacté. Effectivement, donc, nous sommes le programme cousin, frère, ou on ne sait pas exactement quel niveau de relation on a, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est en coopération. D'ailleurs, passer après quelqu'un qui a l'expérience et la connaissance des programmes méditerranéens comme Curcio, c'est un peu difficile. Vous m'avez mis dans une position difficile de compléter son message. Mais c'est vrai que pour nous, c'est évident que la coopération multilatérale, on ne va évidemment pas dire qu'elle n'est pas importante, c'est importantissime. On est conscient qu'au niveau programme, on peut en tirer beaucoup d'avantages. C'est évident que le rôle que MED Alliance peut jouer en tant que plateforme ne peut que nous bénéficier. C'est difficile de dire maintenant exactement comment on pourra en tirer profit ou comment on pourra aussi y contribuer, parce qu'on est, en train on a seulement commencé il n'y a pas si longtemps à définir le prochain programme, donc le programme Next MED. S'il ne change pas de nom, il s'appellera comme ça. Et les États sont en train de décider comment ils vont percevoir et utiliser la gouvernance dans le nouveau programme. Mais c'est clair que, comme l'a rappelé Curcio, on a besoin de plus de coopération et de plus de coordination. C'est quelque chose qu'on a toujours eu en tête depuis le début. Mais souvent, ou pratiquement toujours, la réalité du quotidien des programmes nous a rattrapés et nous a empêché de penser à des choses un peu moins dures, un peu moins fortes que la coordination. Donc souvent, sur un programme comme le nôtre, où au quotidien, on pense aux appels, on pense ensuite à gérer les projets, on a en tête évidemment que la coordination est importante, mais souvent, on est dépassé par le quotidien. Donc ça, c'est une des choses clairement que la coopération, la coordination multilatérale, la gouvernance multilatérale pourra nous soutenir à ce niveau-là. Et s'il y a des plateformes multiniveaux, en plus comme MED Alliance, qui intègrent tant de niveaux différents,
des niveaux qu'on essaye d'avoir dans notre projet, dans nos projets, et qui parfois sont un petit peu difficiles à atteindre. Je pense notamment au niveau des provinces, de la Colatine, aussi la CRPM, parce que les régions, hormis quelques régions, c'est difficile d'avoir les régions présentes dans les partenariats. Donc, je crois qu'au-delà de la coordination entre les programmes, il y aura même un rôle à jouer pour nous aider dans notre capacité à mieux atteindre et à mieux cibler nos bénéficiaires potentiels pour les projets, peut-être à élargir notre audience. Donc voilà, pour l'instant, c'est sûr que le programme est en train de se définir. On doit les États, puisque c'est un programme qui, c'est un peu paradoxal parce que c'est un programme destiné à produire des effets sur les territoires régionaux, mais à la fin, le pouvoir des décisions est dans la main, appartient aux États. Donc les États sont en train de décider pour l'instant les différents objectifs thématiques et objectifs stratégiques qui seront inclus dans le prochain programme. Et ils ont également l'option de choisir entre les deux objectifs spécifiques Interreg, dont le premier sur la gouvernance. Et c'est pratiquement certain que cet objectif spécifique d'Interreg va avoir un rôle plus ou moins important sur notre programme. On ne sait pas encore si de façon horizontale, si de façon principale, mais en tout cas, c'est sûr que la gouvernance sera là. Et que vous dire de plus? C'est évident que la gouvernance sera importante, qu'elle est importante et multilatérale, encore plus, bien entendu. Merci, Vincent. So the key words, if I understood well your presentation, is more coordination, as say Curcio said, more cooperation. But the principle of reality is that in a day-to-day basis, you're all really busy, both of the programs on your calls, and that's always a problem to take time to be more or implicating more the stakeholders in the Med Basin. But if I understood, the next Med program will, even if this is the states that the key issue, the states are deciding of this next program, we hope that they will take into account our proposals or our multi-level governance. And to do the transition, your program bounding the north and the south of the Mediterranean Sea. So I will take the floor to Imen Wardani. She's a member of the Med Cities, and she's one of the representative of the south of the Mediterranean area, Basin. She's deputy mayor of Sousse. So Imen, I'm not sure you're speaking English or French in your presentation, donc bienvenue et merci encore d'être là. Je vous laisse la parole donc pour faire le lien avec ces deux principales questions et ce qu'ont dit nos collègues des deux programmes MED et NextMED. Pardon. À vous, Imen. Merci beaucoup, Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le 25e anniversaire du processus de Parcellaire qui a mené à la constitution de l'Union pour la Méditerranée. Je voudrais bien sûr tout d'abord remercier donc l'Alliance pour la coopération méditerranéenne et en particulier MedCité pour cette invitation et de nous permettre de représenter toutes les villes membres de ce réseau et de pouvoir faire entendre la voix des villes. Donc ce genre de rencontres semble très intéressant vu que ces échanges ne permettent que de rendre la coopération entre le niveau local, régional et le niveau méditerranéen, même international, plus efficace. Pour commencer, donc, je pense que nous sommes tous d'accord et que nous sommes tous convaincus que la coopération et le dialogue multiniveau est le mot d'ordre qui permet la mise en œuvre d'ordre commun et de rendre les villes plus résilientes, solidaires et sociales. Il est vrai aussi qu'il y a plusieurs conventions, donc de conventions cadres, aussi des pactes entre les nations, mais suite à la COVID-19, il y a eu une répercussion unissant les villes dans un esprit et de vision d'ordre commun.
En fait, vous n'êtes pas sans savoir que les frontières se sont dissoutes et les villes se sont rapprochées à travers les nouvelles technologies de communication. Et donc, c'est de là qu'on doit souligner aussi qu'on s'est rendu compte tous que cette pandémie a eu un impact sur toutes les villes et n'a épargné aucun pays. Et c'est de là, donc, qu'on doit souligner. Pardon, il y a un écho. Je vais diminuer le volume. On vous en parle. Et de là qu'il faut souligner l'importance de la coopération internationale qui joue un rôle crucial dans le développement local des villes, notamment là, les villes qui sont sur le chemin de la démocratie et de la décentralisation, notamment la ville de Sousse, et en proposant des initiatives qui puissent répondre aux besoins de ces pays émergents et concrétiser bien sûr la solidarité entre les deux rives de la Méditerranée. Et là, je dois souligner également l'importance de la coopération internationale dans le développement de l'apprentissage entre pairs, dans le partage sur des bonnes pratiques, le partage des expériences, d'initiatives des autres localités ou régions qui permettent de développer et de mettre en œuvre des idées novatrices. Et donc, le transfert de pratiques et d'expériences dans une région ou une autre doit être réciproque. Ce n'est pas exclusivement nord-sud, mais aussi dans les deux sens. Aussi, ce transfert de pratiques, de savoir-faire, doit être concret, progressif, contextualisé et durable. À mon avis, il faut élaborer une stratégie commune globale autour des objectifs qui concernent le développement local dans chaque ville et région des deux rives. Donc, atteindre ces objectifs politiques requiert bien sûr des mécanismes de gouvernance plus efficaces. Il est également à souligner qu'il est important dans le cadre de la coopération internationale et le dialogue multiniveau, de prioriser certains axes qui ont un impact à l'échelle méditerranéenne. C'est notamment le problème de la relance économique après la COVID-19, le changement climatique, la pollution, l'inclusion et la cohésion sociale. Là, on est bien d'accord que l'impact de ces différentes problématiques ou bien thématiques ont un impact non seulement sur la Tunisie, le Maroc ou bien l'Algérie, mais bien entendu sur toute la région de la Méditerranée, notamment les conséquences de la migration, le chômage, etc. Là, il est important également d'élaborer stratégie ou bien des plans d'action communs, de mettre en place de cadres de concertation et de coordination qui peuvent mettre en synergie des actions qui existent déjà et de rassembler bien sûr et d'identifier des bonnes pratiques et de créer des synergies d'échange entre ces différentes expériences pour pouvoir atteindre des objectifs durables. Également, il faut, à mon avis, réfléchir à élargir la coopération multiniveau afin de promouvoir telle ou telle question et de centrer le réseautage sur différents sujets et partager les infos sur les différentes thématiques. Et là, je m'explique, c'est-à-dire grâce au réseau Médecité et grâce à l'Alliance pour la coopération méditerranéenne, là, on pouvait apprendre des nouvelles expériences, que ce soit aussi pour le transfert de compétences, etc. Mais élargir dans le sens, c'est d'apporter d'autres expertises dans une thématique ou une autre. Il est crucial aussi de renforcer la gouvernance et la coopération multiniveau. Et là, je parle
parle notamment pour les pays du rive sud. Donc là, puisque là, on est en plein processus de décentralisation et de démocratie. Là, on est en phase d'appréhension. Et là, c'est de là qu'il est important de renforcer le dialogue multiniveau au niveau donc de ces pays-là. Et ce dialogue multiniveau permettra forcément de stimuler la discussion et le transfert de connaissances entre les régions, comme je viens de le dire donc tout à l'heure. Donc, je pense que suite à cette pandémie, tous les réseaux internationaux, notamment celui de la région méditerranéenne, a poussé donc ces derniers à avoir une vision commune du futur. Finalement, pour capitaliser, donc il y a un grand travail de plaidoyer pour une réflexion commune, innovante, stratégique pour un avenir meilleur entre les deux rives de la Méditerranée. Merci beaucoup. Thank you very much for your presentation. If I can sum up your ideas, keywords could be the key roles of the cities in the participation of these multi-level governance, the capitalization of the best experiences from both sides of the Mediterranean shores, and not only from north to south, but also to south from the north, and also to help and to the best practices to strengthen democracy, decentralization, and to be more efficient in the next policies to face crisis and challenges of climate change and migrations. We'll give a little bit of time after the presentation of debates, because I think we have some questions to you, Imen, also. So next speaker, Francesco, buongiorno, welcome to the debate. So the floor is yours to present your point of view, vision of these challenges and the role of the network of networks. Francesco, are you here? Good morning, Samir. Yes, buongiorno. Congratulations for this conference, and thanks to our staff for the invitation. Could you put louder your micro? I'm not sure. It's quite low. I hear you. In this way? Yes, much better. Okay. Thanks so much and congratulations for the conference. And thanks to our staff for the organization, Elodie, Gemma, Nuria, Andrea, who organized this moment. For my point of view, from my experience, I think that it's certificated and verified that where is a real application of multi-level governance principle, there are better results and the achievement of objectives. It applies to more complex strategies, to cooperation programs, or even single project. It isn't a coincidence that among the European macro regional strategy, the one that seems most concrete result in this moment is the one where local authorities are the main protagonist, the Alpine strategy. In the same way, all the actors of the territory are decisive. Cities, universities, Chamber of Commerce, social and trade organization, NGO, and as representing, in special way, young people, as students or workers, as mentioned by President Musumeci in the first panel. In our experience as Adriatic and Ionian Euroregion, we have tried to put into practice methods of common coordination of this representation. DAS was born in support to EUSAIR, the European Union strategy for the Adriatic and Ionian region, the EINUREC initiative, funded directly by G-Region to the five major institutional networks of the area, the Adriatic Ionian Euroregion, my organization, the Conference on Peripheral and Maritime Regions, the Forum of the Adriatic and Ionian Cities,
universities, and chambers of commerce. We were asked to communicate the various initiatives in the area and connect to EUSAIR on the territories and for the citizens. This is the most important value, especially in the younger one, with the respect of the country in pre-accession. I believe that this action, really in a much larger and more complex territory, such as the Mediterranean, must be replicated. It will be the real added value of an upcoming EU strategy for the Mediterranean area. We are waiting for the decision to finance the INUREC 2, and from my point of view, this first experience in the Western Balkan zone is important for the Mediterranean area. On the other hand, the protagonism of the stakeholders of the territory is already enhancing the ATC programs that insist on this area. And the important speech of Mr. Curzolo and Mr. Arnaud confirm this situation. It's important to coordinate the action clearly with the involvement of the states, obviously, and capitalize positive past result and available financial result. This is a particular historic moment for us, certainly characterized by a difficult health, social and economic crisis. But this pandemic time will have to change even in the approach of European policies, old and outdated models. Is the time to reiterate the centrality of Mediterranean zone, clear that only if this important strategic area for the EU improve its condition, the European Union will see its living standard grow positively. It doesn't only apply to the issue of migrants or terrorism, but also for defense of the environment or for the ability to make transport and connection with other parts of the world. All concentrated in temporal context that also due to the effort that will be put in place to counter the damage of COVID-19, will see huge resources in this moment, deriving from the Next Generation EU program. From the beginning of the new European programming 2021 and 2027, with the new cohesion policy and with the launch of the all European programs, including those dedicated to third countries. A unique opportunity for the weaker territories that have to make up for important gaps. Only a far-sighted and competent decision-making level. This is my personal idea from many time, especially at the local level, will be able to take advantage of this opportunity. It will be important to consolidate a shared vision, to be able to speak most of the time with a single voice, to superimpose legitimate interest, to enhance diversity. Here is the importance of the Alliance for the Mediterranean that support initiative of the member states with the aim of with the will of citizens and putting into practice intervention capable of giving substance of sustainable, innovative request of generating and supporting growth and social equity. Thank you. Xavier. Thank you, grazie mille, Francesco. So, if I understood well, the main ideas of your presentation first is to stress the centrality of the Mediterranean zone in time of crisis. I think you say that it's the right time to speak with one voice, with a single voice, but not forgetting our diversity. So it will be one voice at Brussels and in international level. And the second point is the importance to
involve citizens, and most of them the young citizens, if we are looking to the south where the majority of the population are very young, so to implement, to involve them in the cooperation, in the projects of cooperation with, from both sides of the Mediterranean Sea. Thank you again, Francesco. We will come, I will come back to you for some questions we have on the on the on the chat. Don't forget for the participants to question the speakers. The last intervention in the name of our Vice President, Elodie, could you perhaps tell us the vision of the CPMR in the Inter-Mediterranean Commission vision of the main challenges for a more resilient basin, Med Basin? Elodie, the floor is yours. Merci, Xavier. Pour me donner le, la parole. Alors, oui, je vous prie d'excuser Madame Awatif de Rousse, qui est vice-présidente de la région, de la Commission interméditerranéenne de la CRPM, au nom de la région de Rabat-Salé-Kenitra. Malheureusement, elle n'a pas pu se libérer. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je parlerai au nom de la Commission interméditerranéenne de la CRPM, mais non pas en son nom nécessairement, parce que je n'ai pas l'expérience directement de sa région. Néanmoins, il y a quelques points peut-être qu'on pourrait souligner effectivement, Xavier, pour répondre à la première question qui traite plutôt de l'efficacité donc de la coopération sur la base de la gouvernance multiniveau. En tant que commission interméditerranéenne de la CRPM, c'est vrai que notre travail nous permet eh bien, d'essayer de renforcer le lien entre les régions et allant un petit peu au-delà des limites territoriales de chacune de ces régions, donc leur permettant eh bien, de construire ou de renforcer leur capacité d'une part. Parfois, on a des régions qui sont très expertes sur une thématique, alors que d'autres ne le sont pas forcément. Et donc, ces interactions nous permettent évidemment de renforcer eh bien, les connaissances de chacune d'elles. Et la façon dont on arrive à faire cela, c'est évidemment par le biais du travail qu'on est amené à développer dans le cadre des projets de coopération notamment. Et j'en profite de mentionner aussi, parce que nous avons nos représentants des programmes aujourd'hui de l'Interreg-Med et du programme IEV-CTF-Med. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous de travailler, ou en tout cas d'espérer travailler dans ces programmes. J'en profite pour mentionner aussi à Vincent, ici présent, que malheureusement nous ne sommes pas éligibles au programme IEV-CTF-MED, donc nous essayons de capitaliser sur les actions qui sont développées en son sein en étant partenaires associés ou par le biais de nos régions aussi. Mais c'est vrai que parfois cette limite, si j'ose dire, administrative ou peut-être étatique ou de structure du programme, eh bien parfois est un petit peu un point, disons, à améliorer, que nous souhaiterions voir améliorer dans le futur pour pouvoir effectivement collaborer autant avec nos régions qu'avec la Méditerranée dans son plus grand ensemble. Et bon, c'était aussi un point que Madame De Rousse allait mentionner, mais il en va de même naturellement pour le Maroc, même si eh bien le point de réflexion ou le point de mésentente, si j'ose dire, se trouve à un autre niveau. En ce qui concerne donc la deuxième question par rapport à la reprise durable, je pense qu'il est important aussi au-delà de la gouvernance multiniveau, qui donc c'est vrai qu'on parle sur le niveau local, régional, étatique, mais aussi avec l'articulation avec les institutions européennes ou même les institutions méditerranéennes. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que le développement doit être aussi fait de manière intégrée. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des dynamiques de gouvernance multiniveau, mais également d'avoir des dynamiques de développement intégré permettant de renforcer les synergies ou en tout cas les consultations de manière transversale entre les différents secteurs dans lesquels nous souhaitons nous développer en Méditerranée. Et je pense que bon, c'est ce qui est lié à ce qu'on appelle par exemple la gestion intégrée des zones côtières ou même la planification spatiale maritime. Mais ce sont des éléments clés qui nous permettent eh bien, d'éviter des conflits spatiaux, notamment dans la mise en œuvre ensuite de projets de grande envergure, d'une part,
de nous assurer eh bien, de faire les choses en fait, comme il faut, simplement parce que nos secteurs sont interreliés, c'est-à-dire que, si, pour reprendre un exemple qui a été cité auparavant, le secteur du tourisme, évidemment, c'est un secteur qui est aussi lié au secteur du transport, mais aussi au secteur énergétique. Donc, on ne peut pas juste mettre en œuvre des actions pour verdir le secteur du tourisme sans prendre en compte ou sans consulter les secteurs connexes, évidemment, qui rentrent dans sa mise en œuvre et dans sa réalisation. Et donc, c'est valable pour, eh bien, pour tous les secteurs. Donc, c'est une, voilà, l'élément transversal. Et pour rebondir sur, sur l'intervention de M. Sclopé plus tôt aujourd'hui, l'élément aussi de lien avec les citoyens qui ont une grande part à jouer eh bien, dans, dans une politique ou dans un développement plus, plus durable pour la Méditerranée. Hein. Donc, le lien entre les territoires et ce que l'Alliance, dans ce sens, nous permet de faire, donc de construire de la capacité, mais aussi eh bien, d'assurer ce lien et l'atterrissage des politiques méditerranéennes sur le territoire, donc envers les citoyens d'une part et entre nos propres institutions d'autre part. Et c'est vraiment clé si on veut s'assurer une action conjointe. Alors, il est certain que c'est quelque chose qui est complexe. Évidemment, quand on en parle, ça paraît simple, mais je suis bien consciente que c'est complexe. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avancer. Voilà, on espère. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que c'est tout de mon côté, mais si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci, Xavier. Merci, Elodie. If I sum up your presentation or your key ideas, the first will be we have to be efficient and to have a value-added, let's say, role in the programs as the CPMR is doing by acting in European projects. That will be the first key, let's say, doing, acting, showing our programs, European programs here present, that members of the MedCorp Alliance is, or are, all the members are able to implement projects that are challenging or that are answering the challenges the European Union is facing. The second point is vision, the famous holistic vision, in the integrated development vision that is intending to solve the problems, not only on the environmental issue, but also on all the global issues, let's say the strategical issue to be more sustainable. If you are okay, we have around 15 to 20 minutes to have a debate. I have two first questions pour vous, Curcio et Vincent, pour tous les deux. Je crois que Vincent a un peu déjà répondu par écrit, mais je vous la lis pour que les participants puissent l'entendre. Donc, question pour vos deux programmes. Alors, d'abord Curcio, puis après Vincent, si vous êtes d'accord. Quelles seraient les synergies envisagées entre vos deux programmes pour faciliter l'interopérabilité des différentes actions et projets? Et comment vous pensez que la MedCorp Alliance, ce réseau de réseaux, puisse soutenir cette dynamique et vos programmes? Curcio. Oui, il y en a plusieurs des synergies qui peuvent être mises en place. Il y a des synergies techniques entre les secrétariats, les autorités de gestion. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est souligner aujourd'hui dans ce cadre, c'est surtout des synergies géographiques. On nous a toujours reproché, et ça, c'était pas de notre responsabilité, bien entendu, que l'on ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas faire travailler les pays du Sud avec les pays du Nord de la Méditerranée et vice-versa. Je pense que si on arrivait véritablement à réfléchir des priorités, et ce sera sans doute le cas parce que ce sera imposé, quelque part, sous le climate change notamment. Si on arrivait à réfléchir à des priorités qui sont transversales, qui sont d'intérêt pour les deux programmes, voire aussi pour Adrion par rapport à la stratégie macro-régionale en Adriatique et à la Ionienne, on aurait véritablement la possibilité de couvrir pour la première fois toute la Méditerranée, sans distinction aucune entre pays de l'Union européenne et pays tiers. Voilà, c'est ce que je pense être le vrai succès vers lequel nous devons tendre d'ici 2030, 2027.
C'est une vision ambitieuse que nous partageons totalement au niveau de maîtrisable, la... Maîtrisable, jouable, elle n'est pas irréaliste. J'avoue que ça nous plaît de t'entendre dire ça et on sera à vos côtés pour y arriver. Vincent, que pourrais-tu rajouter ou insister sur aussi la réponse que tu nous as faite par écrit? Oui, donc par écrit, je vous ai donné un exemple parce que c'est vrai qu'on parle du futur, mais déjà sur cette période de programmation, on a eu quelques exemples, notamment le programme MED a ouvert la voie sur la gouvernance avec Panoramed, donc ça c'est quelque chose que nous on a suivi de près. On essaye en fait de suivre le programme MED pour ensuite les copier. On est un petit peu, on joue la facilité. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est un magnifique exemple d'initiative qui incluait toutes les autres initiatives méditerranéennes. Donc, c'est vraiment un bon exemple à suivre. Nous, en tant que programme, on a également l'exemple que j'ai mentionné sur la conversation. Donc, lors de notre dernier appel, appel à capitalisation, on a vraiment mis la coopération, la capitalisation avec les projets MED au cœur de l'appel. D'ailleurs, c'était vraiment le critère d'évaluation principal. Donc, ça, c'est vraiment un exemple très concret de ce qu'on peut faire dans le futur. Et après, c'est vrai que, comme a dit Courtiot, sur le quoi, il y a énormément de possibilités. Donc, on peut renforcer la coopération à tous les niveaux, que ce soit au niveau interprogramme, en créant de nouvelles structures, entre guillemets, structures qui permettraient d'assurer la coordination, ou ensuite au niveau projet. Moi, ce qui m'inquiète toujours, et je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps à Courtiot, c'est pas tellement le quoi, sinon le comment on va le formaliser, parce que après avoir été si souvent, après avoir parlé si souvent d'améliorer la coordination, je sais, et j'ai peut-être envoyé ce message un peu pessimiste, je ne voudrais pas non plus être mal compris, donc ce n'est pas du tout pessimiste, mais c'est vrai que le quotidien nous rattrape, et quand le quotidien nous rattrape, les belles paroles, on peut peut-être les oublier, donc c'est important d'institutionnaliser la coordination. Et là, bon, peut-être qu'une plateforme comme MED Alliance aura son rôle à jouer, j'espère. C'est bien sûr, Vincent. J'espère qu'on est à votre disposition pour participer à cet échange. Francesco, could you perhaps react to the proposal of Courtiot? I'm sure you are on the same line of his proposal. Yeah. I stress the indication of Courtiot and of Vincent, because it's an important moment to imagine a multi-level project of governance of MED Zone. We have an important experience on the Panoramed project, but it's possible to implement and simplify the level with the most important protagonism of the territorial level. And I think that is important for this area to have this possibility. And for my side, the MED Alliance is a good way to have an apply governance project in this area. Thank you, Francesco. One question to Imen Wardani. Imen, une question. Vous avez soulevé la problématique donc du rôle des villes, notamment sur la rive sud, où parfois il est difficile, vu le contexte politique et la centralisation. Quel rôle des États, quel rôle les villes et puis la MEDCOP Alliance, plus particulièrement, pourraient jouer justement pour prendre la place auprès des États, ou en tout cas se faire entendre des États, et notamment, alors, on ne parle pas de ceux du Nord, mais par votre expérience du Sud, de la rive méditerranéenne. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter la question, parce que ça a coupé un moment. Ah, pardon, je répète, je disais, selon votre expérience, donc, comme adjointe au maire de Sousse, dans le rôle clé des villes et des alliances comme les nôtres, comment, en fait, se faire entendre des États, notamment dans des contextes centralisés, comme ça peut être sur certains de vos pays, ou en tout cas, dans le contexte parfois politiquement difficile. Donc, comment, voilà, quel rôle jouer? Donc, on a parlé des programmes européens, et là, votre vision plus du Sud. Bien entendu. En fait, là, comme vous le savez, la Tunisie est en plein processus de décentralisation, de démocratie, et le pays, les villes plutôt, donc, se retrouvent face à plusieurs problématiques, que ce soit la dégradation de l'infrastructure,
signature d'un nouveau code de collectivité locale sans pour autant avoir les textes d'application, aussi un budget donc financier très limité et aussi un point très important, c'est l'apparition de conflits de compétences, c'est-à-dire entre le local, le régional et le national. Et donc c'est de là que le rôle des villes avec les réseaux internationaux des villes, donc notamment Métité ou bien l'Alliance pour la coopération méditerranéenne, ainsi que les autres réseaux méditerranéens et même réseaux mondiaux, afin de faire un travail de plaidoyer, afin de renforcer ces villes-là, que ce soit à travers le partage d'expériences ou bien de bonnes pratiques, et de là on peut peut-être les répliquer ou bien l'adapter à nos villes. De plus, le travail de plaidoyer pourrait renforcer les capacités des villes pour qu'elles puissent faire pression auprès des autorités centrales et même de faire l'initiative d'initier un dialogue multiniveau, parce que là, les villes sont en première ligne avec les citoyens. Donc, les villes connaissent parfaitement les besoins et les problèmes de leurs citoyens. Et donc, c'est les villes avec les réseaux donc partenaires et dans le cadre de projets globaux, elles pourraient donc initier ce dialogue multiniveau, aussi de pouvoir faire intégrer donc les politiques régionales ou bien certaines thématiques dans la stratégie nationale, pour que cette stratégie nationale soit fondée sur des approches donc locales, sur des approches plus efficaces. Merci. Thank you. And so yes, a local approach to be more efficient, and en français on dit prêcher par l'exemple. C'est que les États nous reconnaissent parce qu'on sait faire et que vous êtes le bon acteur pour le territoire. Merci, Imen. J'ai une question pour Curcio, mais je crois qu'il a en partie répondu. C'est quel pourrait être le rôle dans la gouvernance concrètement du nouveau programme MED, et plus largement, j'élargis la question par rapport au programme MED et Next MED. Curcio, tu as un peu répondu, mais peut-être pour l'ensemble des partenaires, auditeurs. Oui, bien sûr. Oh, oui, bon, pour la MEDCOP Alliance, il peut y avoir plusieurs rôles, pour moi, pas seulement un seul d'ailleurs. Il y a un rôle en tant que bénéficiaire potentiel, à condition que vous respectiez les règles imposées par les programmes. Donc, j'ai répondu par écrit que pour cela, il faudra que vous ayez une personnalité juridique. Après, il y a un rôle éventuellement encore plus important pour moi, parce que si ce n'était pas le cas en tant que MEDCOP Alliance, vous pourrez toujours le faire via les différents partenaires qui le font déjà depuis de longues années. Mais sinon, il y a un rôle politique, sans doute, qui est celui que je mettais un peu en évidence aussi dans une autre réponse, qui est celui de récupérer les résultats, pas seulement du programme Interreg MED actuel au voisinage, mais de se poser comme un pilier de la capitalisation, donc du transfert des résultats en Méditerranée envers les acteurs qui sont derrière vous. Donc, on parlait des collectivités territoriales, et sans doute, vous avez des accès privilégiés aussi à Bruxelles, vous avez des accès sous les stratégies. Donc, ce dont nous manquons le plus, c'est le fameux contact direct, lien direct avec les mainstream, avec les programmes régionaux, avec les programmes thématiques portés par la commission. Je mentionne deux que tout le monde connaisse, LIFE et Horizon 2020. Il faut absolument, et dans ce cadre de concentration, de coordination et coopération, on arrive tous à travailler ensemble sur les mêmes politiques, sur les mêmes thématiques. Il n'est plus acceptable que chacun continue à travailler dans son coin. Tout à fait d'accord, Curcio. C'est deux pistes que tu nous donnes et je t'en remercie. Donc, je vais faire réagir Elodie, si tu le veux bien, donc sur cette notion de structuration de ce réseau de réseaux. Et puis après, le rôle des membres de la MEDCOP Alliance sur le mainstream. Nous sommes, pour parler de l'Eurorégion, nous, reconnus au niveau de la DGA Research comme un
programme pilote ou un territoire pilote sur la question d'écosystème, innovation ecosystem, European Innovation Ecosystem. Donc c'est un peu ce que tu dis, Kursio, c'est que l'Europe à Bruxelles, sur d'autres clés d'entrée que les programmes territoriaux, nous reconnaissent comme territoire innovant. Comme l'a dit Imen, nous sommes des territoires que l'Europe parfois oublie, que l'innovation, les modèles de bonne gouvernance, ils ne se font pas que dans le nord de l'Europe. La Méditerranée doit devenir, aussi comme a dit Francesco, le cœur de je dirais, des préoccupations positives, pas simplement la vision négative de la Méditerranée où on a des problèmes, non, on est aussi la solution pour l'Europe. Élodie, pour réagir sur les propositions et idées de Kursio. Merci Xavier. Je vais réagir premièrement sur ce que tu viens de dire, si tu me le permets, simplement pour dire que oui, pour la Méditerranée, voilà, c'est des solutions évidemment qu'on peut, des solutions méditerranéennes qu'on peut utiliser pour le cas méditerranéen. Effectivement, si on essaie de mettre d'imbriquer des carrés dans des cercles, parfois ça marche pas forcément. Donc c'est bien de pouvoir rechercher des solutions sur ce que nos territoires sont déjà capables de faire, parce qu'ils ont la typologie de territoire méditerranéen et donc eh bien, sont en mesure de proposer des solutions déjà partiellement adéquates pour d'autres territoires méditerranéens. Pour répondre à Kursio, simplement, je pense sur le statut, oui, pour l'instant, nous sommes donc une alliance qui est formée de différentes entités qui, elles, ont un statut juridique éligible, si je pense, il me semble, pour toutes, au programme. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée déjà dès le départ lors de la création de l'Alliance et qu'on sera amené à se poser dans le futur. Mais bien évidemment, on est conscient qu'il faudrait que l'on arrive à trouver une façon de pouvoir soit officialiser, disons, une existence juridique, soit passer par le proxy des organisations formant l'Alliance dans le cadre d'une coopération potentielle avec les programmes. Xavier, je ne sais pas s'il y avait la deuxième partie de la question, pardon. Oui, la deuxième partie, c'était la problématique de l'influence sur les mainstream, les programmes mainstream, oui. Des partenaires de la MedCorp Alliance. Oui, oui. Alors oui, c'est une question, c'est une très bonne question, un très bon point. C'est quelque chose qu'on s'efforce de faire également dans le cadre de notre travaux à la CRPM et qu'on reconnaît que c'est pas forcément simple. Et je pense que ici, le programme Interreg nous donne souvent, ou en tout cas essaie d'encourager ces porteurs de projets via la capitalisation, eh bien, à essayer de tirer ou de bénéficier des résultats de projets venant des programmes mainstream. Mais c'est vrai que la solution, pour l'instant, reste assez, si j'ose dire, sur différents niveaux. Parce qu'en tant qu'alliance, nous, déjà en tant que partenaire, on a un lien différent avec ces programmes. Donc, on peut accompagner, évidemment, via les programmes régionaux, on peut accompagner nos membres et essayer de faire atterrir les différents programmes sur le territoire. Mais c'est vrai qu'on a des capacités différentes et que c'est un point que l'on doit aussi travailler. Pour essayer d'encourager les synergies d'une part et par rapport à l'intérêt ou par rapport à l'action à Bruxelles pour que ces programmes puissent également essayer d'intégrer en leur sein les résultats, notamment de la coopération territoriale. Je pense parfois que c'est un petit peu là qu'on s'arrête et c'est ce qui nous manque. Évidemment, on est conscient que c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est ce qu'on essaie de pousser également. Donc, je pense qu'en tant qu'alliance, on aurait une vraie chance de le faire parce qu'on a chacun notre réseau de contacts aussi et notre spécificité. Mais voilà, simplement pour dire qu'on a reçu le message et je pense que c'est une corde qu'on peut ajouter à notre arc et en tout cas à nos objectifs pour le futur. Voilà. Yes, Francesco and Imen. First, Francesco, could you perhaps react to this proposal to intend to be more pregnant and to be more involved in the mainstream policies at European level, as far as your region is concerned? Yes, I think that the first of all is the two-year work is an important startup for implement the next time. I think that is important to see the next step of the European policies, the approval of the
the budget and the start of the program. But I think that is important to a message of Curcio with a legal organization to approach the MED program. Yes, is important, of course, the regulation of the program is the first important step, but it's important to have a facilitator in this moment has five important network in the area. For the Balkan area, the ways was the same. In the first time, the commission have dubbed on the organization of the area. In the second moment, the most important approach of the commission is use the budget, direct budget for the network. It's important to have the territorial institution that implement and capitalize the best practice of the area. I think is a different zone, the Mediterranean, is different architecture, different country, the administrative level, but in the same way in the Balkan, the problems are the same. But I hope the possibility is a good possibility to concrete approach of our work. Merci, Curcio. Emmanuel Annick, que pensez-vous de donc pareil, sous quel organisme ou organisation sur la rive sud vous pensez qu'on pourrait jouer un rôle pour que voilà les programmes intègrent nos bonnes pratiques? Quelles seraient les clés de levier, les effets de levier que vous verriez pour cette MedCity, pour MedCop Alliance, pour être au-delà des États, des organisations qui attribuent les fonds ou en tout cas qui décident sur l'avenir de la Méditerranée? Imen? J'ai pas bien compris, Cerny, la question. La question, c'est tout comme au niveau européen, donc Curcio nous disait que ce serait important que notre réseau de réseaux soit reconnu comme pilote ou exemplaire sur nombreux des politiques thématiques, Life Horizon Europe. Pour votre vision, donc côté rive sud, quels seraient les effets de levier pour se faire entendre? Pas forcément uniquement à Bruxelles, mais dans d'autres niveaux, d'autres instances internationales. Voilà, quel serait pour vous, vous avez un peu dit, mais insister sur et auprès de qui vous verriez ce rôle de bonne pratique que la MedCop Alliance pourrait vendre ou pourrait plaider. Auprès de qui pourrait-nous plaider pour qu'on nous entende et nous reconnaissions notre savoir-faire, comme vous aviez dit, et de bonnes pratiques. En fait, l'Alliance pour la coopération méditerranéenne joue un rôle très important pour, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour le transfert de compétences, pour l'échange sur les bonnes pratiques, etc. Et donc, son rôle est vraiment crucial sur le rive sud, qui connaît une instabilité politique, de gros problèmes, notamment donc des problèmes de relance économique, etc. Et donc je pense que si j'ai bien compris la question, bien sûr que donc le fait de s'ouvrir peut-être à d'autres réseaux locaux et bien sûr faire participer également peut-être le secteur privé, les organisations nationales, donc etc. Et donc ça pourrait le réseau peut jouer donc un rôle très important dans le groupement, le rassemblage dans le rassemblage donc de tous les acteurs afin de trouver donc des solutions durables pour les pays de la rive sud. Aussi peut-être à travers donc l'unification des efforts
planifier les efforts à travers ces réseaux, puisque l'Alliance pour la coopération méditerranéenne représente le réseau des réseaux. Et donc, il peut s'ouvrir à d'autres, peut-être à d'autres réseaux en tant que partenaire associé ou autre, afin de renforcer le développement local, afin aussi, donc, comme je viens de le dire, d'associer les acteurs concernés et impliqués dans diverses thématiques. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Well, that's a good point. You're just stressed that one sector or key actors that we didn't have talked about before, the private sectors, that could be also an answer of our challenges for the future, that could be also stakeholders to be more involved in our strategies, and of course, still the problematic of the local actors that have to be involved in our strategy. Last question, because I think we have only 5 minutes for the wrap-up session and the conclusion of this session concluding. One question for every one of you. In two words, what will be your vision of the future of the Med Basin? What will be the ideal Med Basin for the future in 2030? Imen, quelle serait pour vous, donc, en deux, trois mots, votre vision idéale du Méditerranée? Moi, je pense qu'après le Covid-19, et comme je viens de le dire dès le début, qu'on s'est rendu compte que nous sommes tous connectés, que ce soit à travers les nouvelles technologies de communication ou bien à travers même les problèmes communs qu'on est en train de rencontrer, tels que le changement climatique, la pollution, etc. Et donc, je pense qu'à travers la coopération, le renforcement du dialogue multiniveau, à travers la coopération internationale, on pourrait aboutir à peut-être une région donc méditerranéenne unie, ayant une stratégie politique globale donc unifiée. D'autant plus, on pourrait présenter, on peut être l'exemple, modèle pour d'autres régions, de par, voyez, la proximité des pays donc du sud et du nord. Donc moi, je vois dans le futur, je parle même dans le futur proche, que la région méditerranéenne, en présence bien sûr d'une stratégie ou bien d'une vision de coopération, et aussi un mot-clé que je trouve très, très important, la solidarité méditerranéenne. On parle de solidarité internationale, pourquoi pas parler de solidarité méditerranéenne, afin de relever tous les défis tous ensemble, puisque là, à titre d'exemple, si par exemple la Tunisie souffre de la pollution ou bien elle est impactée par le changement climatique, c'est toute la région de la Méditerranée, et là, c'est l'importance de trouver des solutions communes pour y remédier à ça. Donc, j'espère vraiment que le réseau, donc l'Alliance pour la coopération internationale, pourrait jouer ce rôle-là et avoir une région unie. Merci. Thank you, Francesco. Your vision of an ideal Med Basin. Yes, I think that is the very positive bet of the life of European Union with the Balkan zone. The Med area is very, very important in the future against the populism and of the North Europe that in this moment create a problem of European Union. Thank you, Francesco. Elodie, vision idéale à Méditerranée dans 10 ans. Alors, la vision idéale, c'est une très bonne question. Merci, Tchaïev. Je pense que je baserai ma réponse sur le concept de la durabilité globale, c'est-à-dire donc la durabilité dans son sens environnemental, comme on l'entend souvent, mais également économique et social. Et je pense que la crise du Covid nous a donné une belle leçon, en tout cas, du pain sur la planche pour travailler dans le sens de la globalité, de la durabilité globale, pardon, dans le futur, pour le futur de la Méditerranée. Ce qui nous permettrait, eh bien, donc d'inclure ou d'injecter la vision environnementale, évidemment, dans tous les projets que l'on souhaite développer. Et je parle de projets, non pas au sens de la coopération
nécessairement, mais les initiatives, en tout cas les travaux qu'on peut mener pour le développement de la Méditerranée, mais aussi eh bien, d'avoir une approche plus durable en termes d'impacts sociaux pour les populations, donc que ce soit en temps de crise, mais que ce soit en temps aussi normal, si j'ose dire. Et enfin, eh bien, en termes économiques, donc pour sauvegarder tout ce qui est en lien avec les emplois, avec la création des entreprises, avec la survie aussi des entreprises actuellement, surtout du tissu de PME méditerranéen qui eh bien, en soi est assez fragile et il a été encore plus, a été fragilisé par cette crise. Donc voilà, le concept de la durabilité globale, c'est un concept qui est aussi promu par les Nations Unies et j'espère qu'on arrivera à l'intégrer davantage dans nos travaux pour le futur. Merci Elodie. Il nous reste 2 minutes chacun, 1 minute pas plus. Vincent, la vision idéale de la Méditerranée. Très bien. Oui, en fait, difficile de pas mentionner la coopération, évidemment, forcément, deux mots-clés. Il faut se rappeler que créer une zone de bon voisinage, c'est dans les traités de l'Union européenne, c'est l'objectif de notre programme. Donc, et on y contribue, ça c'est une des choses les plus importantes. Et le deuxième, ce serait proche de la réalité. Donc, notre obligation en tant que programme, c'est aussi de ne pas oublier les besoins et la réalité des gens. Et c'est une chose que fait notre programme en créant de l'emploi, en créant des petites entreprises. Donc, on ne doit pas rester au niveau réseau et structure, mais on doit se rappeler évidemment des besoins et de la réalité des personnes. Merci. Merci pour toi, Curcio. Allez. Oui, bon, disons une Europe un peu, une Méditerranée un peu plus idéale, mais toujours réaliste. Ce serait pour moi déjà une Méditerranée capable de répondre d'une façon, d'une seule voix au défi du changement climatique. Voilà. Après, Méditerranée idéale, ce serait une Méditerranée sans guerre, etc., etc. Mais bon, ça, je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir à notre niveau. Merci. Surtout, n'éteignez pas vos micros. Please do not put out your micros and your also videos because we will do a family photo. I will give the floor to the wrap-up session of Josep Canals. And if all the speakers, if I understood well, yes, the micros are off, but the videos on, sorry. So if all the speakers of the first and second session could turn on the videos and we will do a screenshot. And Josep, the floor is yours. Thank you again to all the speakers. That will be really fruitful debate. And I hope that the participants thank you. Have benefit from this debate. Thank you again. Josep, your turn. And the photo, I don't know who is doing the photo, the screenshot. Thank you very much. Since I have the opportunity of use my own language, I will use it as a show of diversity too in the Mediterranean. Parlarem català, doncs. Moltes gràcies. Molt ràpidament, abans de donar la paraula al conseller. Xarxa de xarxes. És una... S'ha passat al català, per tant, ja està parlant en català. Ja... Si és possible. Mira, parlant de... Sento alguna veu de fons, sí. Gràcies. Com deia, xarxa de xarxes és una expressió que la MedCop Alliance va voler posar sobre la taula per, com a resum del que érem i sembla que ha fet fortuna no només entre nosaltres sinó també entre els convidats externs a la xarxa i crec que resumeix molt bé aquest esperit del que pretenem ser la Mediterranean Cooperation Alliance. Com hem vist, el nostre president de MedCities i la vicealcaldessa de Susa molt bé expressaven, les ciutats no? són les que tenen els problemes, les que es troben els problemes. Els estats són els que marquen l'agenda. Jo diria que la MedCop Alliance neix per omplir aquest buit que hi havia entremig, com una mostra també de cooperació en un moment en el qual el 2018, quan es va fundar, doncs era interessant, però que semblaria que ara, amb la pandèmia del Covid-19, ha esdevingut més important que mai per resoldre els problemes. On hi ha determinades temptacions de visió unilateral, la MedCop Alliance demostra que és més important que mai aquesta coordinació, aquesta cooperació entre xarxes,
I amb una visió que a mi em sembla interessant, i si em permeteu, que és la que aporta també MedCities, que és aquesta panmediterraneïtat. És a dir, que ocupem i cobrim les tres riberes de la Mediterrània. I, per tant, volem expressar aquesta força també del que representem, en tant que, com deia, i com deia també en Curgio, no? de coordinació en un moment en el qual és més important que mai la cooperació, de governança a multinivell, com és obvi, s'ha dit repetidament, i també de capitalització. Cobrim aquest espai en el qual, evidentment, l'agenda que ve marcada pels estats entenem també que ha de ser complementada per aquests nivells subestatals que poden donar unes garanties de passar aquestes idees i aquestes agendes a les accions. Com es diu, estem en la dècada de la implementació de les accions i creiem que la MedCop Alliance això ho pot permetre i ha sortit també repetidament durant el matí d'avui. Cobrim tots els territoris, cobrim les diferents capes i cobrim també diferents sectors de treball. No? I és aquí on ens hem de centrar també, en, com es deia, en aquests 5-6 objectius. Tenim uns fulls de ruta compartits que hem d'utilitzar, però centrar-nos en aquells 5-6 objectius comuns que ens permetin ser efectius i transformar-ho. Tenim unes agendes comunes i compartides, aquests reptes que ens fan que ens assemblem molt més entre nosaltres que no pas de vegades cada un dels nostres membres amb els territoris als quals pertanyen. Per tant, això també ens dona una força de compartir problemes, experiències i reptes als diferents nivells. Un full de ruta compartit, el Pacte Verd Europeu, els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i aquesta capacitat de capitalització també no dins només dels socis del nord, sinó també cap a la riba sud a través d'accions i transferència de coneixement molt concret. Per acabar, creiem que la MedCop Alliance, i així s'ha dit, i sembla una oportunitat i una necessitat, pot ser aquest aliat necessari i complementari que ajudi a confeccionar també, per què no, aquests fons econòmics d'ajuda d'acord a les necessitats reals d'aquestes entitats subestatals i alhora també demostrar que podem ser una garantia perquè aquests fons realment siguin transformats en les accions per als quals han estat creats. No? Sembla que aquesta seria una mica el resum, si em permeteu, d'aquesta visió, aquesta voluntat de ser de la MedCop Alliance i de complementar, ajudar a altres estaments estatals i supraestatals que marquen l'agenda. Moltes gràcies. I tot seguit ja em permeto, i tinc l'honor de donar la paraula al conseller d'Afers Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència, ministre del Govern de Catalunya, l'honorable senyor Bernat Soler. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Senyor conseller, no us sentim. Senyor conseller, si ens sentiu, no us sentim. No sé si algú altre el sent. No, estem fent arribar al seu equip la possibilitat que li facin alertar que no el sentim. Ara li faran arribar, sembla ser.
Bé, lamentem aquesta situació. Us demanaríem si tinguéssiu la bondat d'esperar a veure si podem resoldre aquest problema i que el conseller puguem sentir les seves paraules. Moltes gràcies. No el sentim, conseller, no ho sentim encara. Com sabeu, el govern de Catalunya ha estat molt implicat a través de la Medcop Alliance i de la Comissió Intermediterrània de poder ajudar a l'organització d'aquest acte, en suport polític i estratègic, amb tota la Medcop Alliance. No ho sentim, conseller. A veure, ara. Ara sentim una veu de fons, a veure. Sí, ara se sent. Ara sí, conseller. Ara sí, ho lamentem, però volem escoltar les vostres paraules. Molt bé, en primer lloc, disculpes, problemes dels tècnics. En tot cas, en primer lloc, permeteu-me saludar el molt honorable senyor Nelo Musumeci, president de Sicília, a l'il·lustríssim senyor Mohamed Ida Omar, alcalde de Tetuán, a l'il·lustríssima senyora Mina Bohdut, alcaldessa de l'ACFIFAT, a l'honorable senyor Gaius Clopé, conseller regional d'Occitània, i també a l'honorable senyora Oatif Degu, consellera de la regió de Rabat, Salek i Nitra. També avui ens acompanya el senyor Alfonso González Bondia, director general d'Afers Europeus i Mediterranis. També un agraïment a la resta dels presents, presidents, secretaris generals i executius, directors generals, caps de secció, ponents, acadèmics, actors socials i institucions interessades en reforçar la cooperació i el diàleg entre la Unió Europea i els països de la Mediterrània. A tots els presents, una salutació. Els 25 anys de la Declaració de Barcelona corroboren que aquesta associació mediterrània ha sabut crear un espai de diàleg i de relacions permanents, tot i les dificultats. Avui, precisament, commemorem un aniversari en el que volem explicitar el suport a l'Aliança de Cooperació Mediterrània, Medcop Alliance, una xarxa de xarxes i un espai de participació dinàmica de les autoritats regionals i locals, creada fa un any durant el Fòrum Catalunya-Mediterrània. En aquest escenari de renovació necessària del procés de Barcelona, des de Catalunya refermem avui el nostre compromís plenament europeista i mediterrani i expressem el nostre suport a la Medcop Alliance, un instrument de mobilització d'actors de les dues ribes que defensa la importància de les polítiques mediterrànies. La iniciativa Mediterrània més 25 del govern català culminarà amb el Fòrum de Joves per a la Mediterrània i el Canvi Climàtic, que se celebrarà el mes que ve, una iniciativa que fem amb la Unió per la Mediterrània i que exemplifica el nostre compromís amb aquest projecte. Ens cal continuar treballant per associar la feina dels actors regionals i locals en el marc de la cooperació euromediterrània. En aquest sentit, la Medcop Alliance pot ser un instrument únic i transformador. Per entendre la importància, hi ha dos eixos que heu abordat avui i que voldria destacar. En primer lloc, el reforç dels programes de cooperació territorial euromediterranis. I, en segon lloc, l'establiment d'una macroregió amb visió de conca per enfortir una mirada integrada. Per això, des de Catalunya, des del govern de Catalunya, volem insistir en que en el marc de la cooperació mediterrània la qüestió de la governança és fonamental. No podem treballar al nord i al sud amb instruments que no reflecteixin les dinàmiques reals. Cada cop és més important la dimensió territorial flexible de les polítiques públiques, el paper de les xarxes i els models innovadors de bon govern. Tots ells són necessaris perquè les polítiques transnacionals siguin més eficaces. Les autoritats regionals i locals han de poder formular les polítiques territorials i transnacionals. Tal com apunten les conclusions del document de polítiques presentat en aquesta trobada, la Medcop Alliance ha de facilitar les iniciatives transnacionals i acomplir amb l'Agenda 2030 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible. De fet, vull recordar que la nostra visió de la Mediterrània s'alinea amb un dels eixos del mandat del govern català, l'Agenda 2030, i el moment excepcional que estem vivint ens empeny a donar l'impuls definitiu cap a un model verd, digital, socialment just i resilient que s'emmarca en els ODS.
som plenament conscients que ens cal actuar de manera prioritària en l'àmbit de la sostenibilitat i que també hem d'accelerar la posada en pràctica de l'Agenda 2030 a l'espai mediterrani, amb l'objectiu de fer-la global. En uns moments en què hi ha la voluntat d'enfortir la visió integradora del Pacte de Barcelona, pren una major volada la construcció d'un projecte realment inclusiu. La pertinença a la Unió Europea ens permet compartir un espai de diàleg que va més enllà de les relacions bilaterals i que posa el valor en un veïnatge integrat amb el sud que té pendent legitimar el partenariat entre les societats de les dues ribes de la Mediterrània. En aquest aspecte, volem insistir en la importància de la ciutadania a l'hora de construir societats més justes i inclusives al conjunt de tota la conca. Les demandes que estan aflorant a la riba sud per part de la ciutadania han obert debats sobre la llibertat, la participació i la qüestió de gènere, entre d'altres. És en aquest context que el projecte europeu a la Mediterrània es veu interpel·lat 25 anys després. Per això, una plataforma com la MedCop Alliance pot dotar de més legitimitat la implicació dels actors euromediterranis en un espai de potencialitats de present i de futur. Un espai ple de vida, de societats diverses, de veïnatge i de responsabilitat compartida. Un espai capdalt per a Catalunya, on hi volem teixir més aliances i ser-hi més presents, perquè en som part i ens hi sentim plenament compromesos. Bé, moltes gràcies, conseller. Molt agraït per les vostres paraules. Penso que hem arribat a la fi, oi? Elodie també, i convido els companys de l'acte, és així? Yes, I think we're done. Thank you, everyone. Can we maybe try to have this family picture? I think some of us heard, but not everyone. So if everyone can turn on their camera at least, even the interpreters, if you wish, you're welcome to do so. Thank you also for your work. And thank you for the participants and to the participants for your time. Thank you. Thank you very much to everyone. It's been fruitful for us. Thank you. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao, grazie mille. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Au revoir. Thank you. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Donc, on fera parvenir les conclusions de l'événement dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. À bientôt.